Alors bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'on me voit bien à la caméra. Je vous souhaite la bienvenue donc à cette table ronde sur l'ouvrage Sociologie historique du capitalisme publié aux éditions de la Découverte en 2021. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir les deux auteurs de ce magnifique ouvrage, Pierre-François et Claire Lemercier qui nous font l'honneur de leur présence à l'université de Lausanne l'Université de Lausanne qui, euh, à qui ce livre doit une, une toute petite partie de son histoire. Euh, alors rapidement, sans plus attendre, je me permets de, de présenter les deux auteurs. Donc, Pierre François est un sociologue de l'économie euh, rattaché au Centre de sociologie des organisations de Sciences Po à Paris. Euh, il est spécialiste de la sociologie des marchés et a consacré une part importante de ses recherches à une sociologie historique des firmes et de leurs dirigeants. Euh, depuis le 19e, mais il a également mobilisé les outils de la sociologie économique pour analyser la dynamique du monde des arts. On citera à cet égard, parmi d'autres travaux, son ouvrage sur le monde de la musique ancienne. Quant à ses travaux les plus récents, ils portent sur un enjeu clé du capitalisme contemporain, à savoir la finance. Et à ce sujet, il a publié récemment, euh, en plus de Sociologie historique du capitalisme, un ouvrage sur la financiarisation des assurances en collaboration avec Sylvestre euh, Frézal. Claire Lemercier, donc, à sa droite, euh, est euh, directrice de recherche au CNRS, elle aussi euh, rattachée au Centre de sociologie des organisations de Sciences Po Paris. Ses recherches portent notamment sur euh, des institutions qui se situent euh, aux frontières du public et du privé, et qui participent à la régulation de de l'économie, à l'instar des tribunaux de commerce et d'arbitrage. Elle travaille aussi dans le cadre d'une histoire plus sociale des activités économiques aux relations entre marchands et l'apprentissage au XIXe et XIXe siècle. Et elle est une référence dans le domaine des méthodes en histoire quantitative. Enfin, elle a aussi co-publié tout récemment un autre ouvrage que Sociologie historique du capitalisme et qui nourrira sans doute les échanges d'aujourd'hui. Euh, cet ouvrage est intitulé La valeur du service public. Il a été coécrit avec Julie Gervais et Willy Pelletier et il retrace une enquête passionnante sur le démantèlement des services publics en France. Alors vous l'aurez sans doute remarqué, Claire Lemercier et Pierre François sont pas tout seuls aujourd'hui pour parler de leur livre. Nous avons pour ce faire la chance de pouvoir compter sur le regard et l'expertise de quatre intervenantes et intervenants, et parmi lesquels deux représentants du monde académique, deux représentantes pardon, du monde académique, et deux représentants du monde syndical et patronal je me permets donc de les présenter brièvement. stéphanie ginelski est historienne, maîtresse d'enseignement et de recherche ici à l'institut d'études politiques de l'université de lausanne. elle est une spécialiste du capitalisme familial et de la place des femmes dans les élites économiques. ses travaux portent sur, euh, en particulier sur les enjeux de la mondialisation et des élites transnationales, euh, sur les processus de production et de reproduction des élites, ainsi que sur l'histoire du marché de l'art en suisse. Euh, Lena Jachic est sociologue, doctorante ici à l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Euh, elle rédige actuellement une thèse sur la sociologie des marchés financiers euh, et s'intéresse en particulier aux carrières, aux pratiques, aux réseaux de ces hauts dirigeants du monde de la finance. Euh, Philippe Muller est notre représentant du monde syndical à cette table ronde, Il travaille actuellement en tant que secrétaire présidentiel pour le syndicat UNIA. Spécialiste des enjeux de santé publique, il a été le directeur administratif et financier du CHUV et il est désormais vice-président du conseil d'administration de l'hôpital Fribourgeois. Monsieur Muller est par ailleurs familier de l'université de Lausanne puisqu'il y a réalisé il y a maintenant quelques années un doctorat en histoire monétaire et financière. Enfin, euh, à l'extrémité, euh, Antoine Muller est la voix des milieux économiques privés pour cette table ronde. Il est depuis deux ans le collaborateur personnel de la concierge d'État euh, PLR et récemment euh, réélu au premier tour, Mme Christelle luisier broda Auparavant, il a travaillé pour le, le Centre patronal euh, ainsi que pour la Chambre euh, vaudoise du commerce et de l'industrie. Il est engagé euh, au sein du PLR et a notamment œuvré pour le parti au niveau suisse. Enfin, il entretient lui aussi un lien important avec cette université, puisque, après avoir obtenu un CFC d'employé de commerce, Antoine Muller y a fait ses études jusqu'à l'obtention d'un master de sciences politiques. Donc, avant de me taire et de vous donner la parole, je récapitule rapidement le format de cette discussion. Donc, Claire Lemercier et Pierre-François commenceront tout d'abord. Par présenter durant 15 minutes le projet de cet ouvrage. Euh, la parole sera ensuite donnée dans l'ordre à Stéphanie Ginalski, puis à Philippe Muller, Lena Adjacic et enfin Antoine Muller, qui auront chacun et chacune une dizaine de minutes pour formuler leurs commentaires et questions aux auteurs, euh, qui bénéficieront à leur tour d'environ 5 minutes euh, pour y répondre. Vous pouvez bien sûr organiser votre interaction différemment avec plus de souplesse, mais l'idée générale est de consacrer une quinzaine de minutes par bloc. Après ça, la parole sera évidemment offerte à la salle pour toutes vos questions. Et pour, pour rappel, donc, cette table ronde s'inscrit dans le cadre d'un cours sur l'histoire du capitalisme euh, dispensé par Thomas David. Et donc nous donnerons en priorité la parole aux étudiantes et étudiants pour leurs questions, qu'on espère nombreuses. Euh, et donc, pour rappel, l'événement est, euh, est filmé et sera sans doute diffusé ultérieurement sur la chaîne euh, YouTube de la faculté. Voilà, je, je me tais et j'invite donc Claire Lemercier et Pierre-François à prendre la parole pour une quinzaine de minutes. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être là. Euh c'est d'autant plus émouvant pour nous qu'en fait, ce livre doit beaucoup aux collègues et aux étudiants et étudiantes de Lausanne, notamment Guillaume Bossier et Thomas David, puisque la seule raison pour laquelle on a réussi à finaliser ce livre après une histoire qui a duré presque dix ans, c'est la pression de devoir donner des chapitres à vos pères d'il y a deux ans. En fait, au fur et à mesure du cours pour, pour nourrir ce cours. Et si le livre est lisible, vous nous direz, on ne prétend pas que chaque phrase soit lisible, encore moins intéressante, mais si on comprend les phrases et si on comprend depuis la Suisse, si on n'a pas fait des petits trucs de, de français entre eux, c'est aussi parce que les étudiants et étudiantes nous ont dit avec exigence et politesse tout ce qui n'allait pas dans, dans le livre. Alors au cas où vous vous demandez comment on fait pour faire chacun deux livres en 2021, évidemment, la, la réponse c'est que ne faites pas ça chez vous, c'était très fatigant. Et puis l'autre réponse c'est que ces, ces livres ont eu une temporalité bien plus longue, hein, ils n'ont pas été écrits chacun en 2021. Et donc on voulait, on voulait revenir un tout petit peu sur le, le projet derrière ce livre et le propos. En fait, le livre, il a commencé avec un autre cours à Sciences Po Paris où on, où on travaille tous les deux euh, il y a dix ans maintenant. Et euh, on avait l'opportunité de faire un cours interdisciplinaire, et on s'en est saisi pour faire quelque chose qu'on aurait pu faire finalement entre nous, sans embêter des, des amphithéâtres entiers d'étudiants, qui était de se raconter des travaux qu'on aimait bien. Donc moi plutôt en histoire économique et Pierre plutôt en sociologie économique, parce qu'on s'était rendu compte que les sociologues ne savaient pas tellement ce qui se passait en histoire et, et les historiens historiennes en sociologie parce que tout le monde était trop occupé à essayer de discuter, ou plutôt de critiquer les économistes. en fait. Et puis comme les économistes nous écoutaient pas beaucoup quand on les aime bien ou quand on les critique, on s'est dit qu'on pourrait plus se parler entre nous. Et ça serait peut-être pas inintéressant d'en parler aux étudiants et étudiantes. Et un peu comme ici, on avait des, des publics qui avaient peut-être fait un peu de sociologie et d'histoire avant, mais pas de sociologie économique, pas d'histoire économique. On s'est dit qu'il faut rendre ces choses-là intelligibles. Donc au départ, ce livre, il a vraiment juste commencé. Avec l'idée, on va se parler des, des 15 articles et des 15 livres qu'on aime le plus euh, sur ces thématiques liées de près ou de loin à l'économie. Et puis, comme il fallait dire un titre, on s'est dit euh, fin 2011, tiens, on va mettre capitalisme dans le titre. Et on ne sait pas bien ce qu'on avait en tête, à part que ça paraissait plus sexy pour les étudiants et étudiantes que de mettre économie. Mais euh, ça nous est venu comme ça. Alors, si on, si on y réfléchit dix ans après, on se dit qu'on était peut-être juste aussi des produits de notre époque, en fait, à ce moment-là. C'était un peu avant que Thomas Piketty en France remette la notion de capital, sinon de capitalisme, dans le débat. C'était un peu avant aussi que la New History of Capitalism soit définie comme telle, disons, aux États-Unis. Mais euh, on voit, si on, si on regarde les publications des 20 dernières années, en gros, qu'on participait d'un mouvement de retour au centre des discussions dans différentes sciences sociales. De notions de capital ou de capitalisme qui avaient été un petit peu oubliées. Alors un peu oubliées dans le sens où nous on n'avait pas eu particulièrement une formation marxiste ou néo-marxiste. Je le dis parce que je sais qu'ici c'est des choses qui ont eu ou continuent d'avoir une importance. Donc on n'est pas forcément très pointu sur cette bibliographie-là. Et précisément notre but c'était de, de remettre ces discussions sur le capitalisme dans, dans des discussions plus générales dans les sciences sociales, non limitées aux courants marxistes ou post ou néo-marxistes. Et donc pour faire ça, on s'est lancé dans cette entreprise un peu absurde dans son ambition qui était d'abord de définir ce qu'on entendait par capitalisme. Oui. Alors le, le, ce travail de définition, il, était, euh, enfin, il, il a été en quelque sorte, il est, il est devenu un peu impératif au moment de l'écriture. À dire vrai, quand on faisait le cours, on était quand même plus flottant, en tout cas à, à Paris. Euh, et euh, du coup. Je pense qu'il faut y voir dans ce travail de définition le, le, le résultat, disons, à la fois de d'un habitus dissertatif, quoi. C'est-à-dire le fait que, voilà, on a été formé à la dissertation, et dans, quand on fait des dissertations, on vous dit, alors c'est important de définir les termes du sujet pour ensuite pouvoir entourlouper le, le correcteur et, et construire une problématique, etc., etc., Donc on se dit, bon, on va faire la même chose, on va faire une, on, il faut il faut faire une définition, voilà. Et effectivement, quand on est formé à la sociologie française, durkheimienne, ben Durkheim, il dit toujours, il voilà, faut commencer par définir les termes, du, les, ter les termes dont on parle. Donc, euh, bon, on est des bons élèves, on a essayé de le faire. Et puis, il y avait un enjeu aussi euh, qui était, euh, qui était la forme manuelle en fait de l'ouvrage. Qui rendait, euh, qui rendait la stabilisation des termes un peu nécessaire. Alors, évidemment, quand on essaie de définir le, le capitalisme, euh, on, on s'expose à, à une bonne dose de ridicule, quand même. Euh, et comme on est, est téméraire et puis qu'on a un poste, on s'est dit qu'on allait le faire, quand même. Euh, et euh, et, 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 et en, en circulant, disons, dans la, dans la littérature, on s'est dit qu'on pouvait, euh, pouvait, disons, essayer de clarifier, de stabiliser le, le sens de ces termes en distinguant deux de niveaux. De réalité, euh, un niveau qui est un niveau euh, mi mi microsociologique en quelque sorte, micro-historique, le niveau des comportements. Euh, et dans ce cas-là, le capitalisme, on peut le définir assez classiquement comme étant un comportement qui recherche le profit pour lui-même. Il y a une forme d'absurdité évidemment dans ce comportement, euh, absurdité qu'on a assez largement naturalisée. Hein. Pourquoi Bernard Arnault cherche-t-il encore gagner de l'argent Je veux dire, réfléchis. Tu as 72 ans, tu vas bientôt mourir. <laughs> tu, tu possèdes 400 milliards d'euros. Calme-toi. Et pourtant, il continue. Donc, cette logique d'accumulation, accumuler, accumuler, c'est la loi et les prophètes, disait Marx, elle est au cœur du comportement capitaliste. Et ce qui est apparu, c'est que contrairement à ce que, disait, à ce que disait Max Weber, ce comportement, il est en fait, ce qu'ont mis au jour les, les, les historiens depuis, depuis Max Weber, c'est que ce comportement, il est à la fois très ancien. Donc on ne peut pas du tout le faire démarrer, euh, disons, à l'âge classique, ça ne marche pas, on le retrouve dans des sociétés extrêmement anciennes, et que dans toutes ces sociétés, il était à la fois euh, euh, réduit à un tout petit nombre de gens et puis donc tout petit nombre de gens adoptaient ce comportement là et puis en général c'était des gens qui, étaient, qui occupaient des positions sociales très très élevées et qui par conséquent étaient assez à part en fait, du reste de la société euh, donc de temps en temps ils faisaient des trucs qui concernaient les autres mais enfin quand même globalement c'était un truc d'une toute petite 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 société euh, qui trônait au sommet mais qui était, euh, qui était relativement autonome euh, et, et ça donc ce comportement capitaliste euh, on a voulu le contraster à, par rapport à un autre niveau, qui est un niveau plus collectif, macro-sociologique, euh, qui correspond, là, cette fois-ci, à une forme d'organisation des sociétés. Euh, et dans ce cas-là, on ne parle plus de, de comportement capitaliste, on parle de, de société capitaliste. Et non, Une société capitaliste, c'est une société qui se caractérise par un certain nombre de traits. D'abord, le fait que euh, le, le, le comportement capitaliste a en, en quelque sorte euh, débordé de son lit, un peu comme une rivière. C'est-à-dire qu'il est, est, est sorti de son lit et il se met à affecter tout et tout le monde. Euh, tout le monde, ça veut d'abord dire que ben, soit tout le monde l'adopte soit tout le monde est affecté par quelqu'un qui l'a adopté. Donc on ne peut pas y échapper. Euh, donc cette, cette micro-communauté qui auparavant l'avait adopté, etc., et qui n'affectait pas forcément beaucoup, beaucoup de gens autour d'elle, ou en tout cas pas en permanence, euh, elle s'est en quelque sorte élargie au point que n'importe qui est affecté par ce comportement capitaliste, et par ailleurs toutes les sphères de la vie sociale sont également affectées par, par l'existence et par la présence de ce comportement. C'est-à-dire que le capitalisme, une société capitaliste, ce n'est pas seulement une économie capitaliste. Ce n'est pas seulement une manière de, faire, de, fabriquer, de, de fabriquer des produits et de les échanger. C'est aussi, dans une société capitaliste, le comportement capitaliste a une incidence sur l'ensemble des sphères de la vie sociale, sur, sur la famille, sur la religion, évidemment sur l'État, sur l'école, sur la culture, etc., etc. Euh, donc le, le premier trait qui caractérise une, une société capitaliste, c'est l'extension du comportement capitaliste. Le deuxième trait, c'est sa légitimité. En fait, dans beaucoup de sociétés, donc très très anciennes, il y a des comportements capitalistes, il y a des gens qui accumulent, mais on leur dit c'est pas bien. Il faut pas le faire. et Si tu le fais, tu vas aller en enfer et tu mourras. Ce sera tout le temps, ce sera hyper dur. Et puis, euh, en fait, dans les sociétés capitalistes, on dit maintenant aussi c'est bien. Greed is good. Comme dit euh, Michael Douglas dans ce très mauvais film, d'Oliver Stone. Euh, on a le droit de rechercher le profit pour lui-même. C'est bien de le faire. Euh, donc le comportement capitaliste devient légitime. Et ça, c'est quelque, quelque chose de très très particulier, notamment parce que, du coup, dans une société capitaliste, ben si je peux chercher le conflit, que tu euh, le, le profit pardon, et que tu peux chercher le profit, ben euh, je veux ça, toi aussi, ben on, on se tape dessus. Et donc, les sociétés capitalistes sont des sociétés, comme je pense toutes les sociétés, mais notamment celles-là, qui sont intrinsèquement conflictuelles. Et l'une des thèses du livre, qui est une thèse assez banale, c'est que ce conflit oppose des classes, euh, puisque les intérêts ne sont pas des intérêts qui sont strictement indexés sur des positions individuelles, mais que ces positions individuelles peuvent, sous certaines conditions, s'agréger pour donner l'essence à des intérêts qui sont des intérêts collectifs. Et que ces intérêts collectifs, on peut les, les attraper comme, comme des intérêts qui peuvent être des intérêts de classe. Euh, et et, et c'est ainsi qu'on qu peut, disons, essayer de définir le capitalisme, ce qui nous permet par ailleurs de, euh, de proposer une forme de datation. Alors là aussi, la quête de, de, de la date de naissance, même si on, on récuse en, en partie, même assez euh, largement, cette, cette, cette métaphore, mais disons, le, le, le point de départ de cette histoire, euh, il, est, il est évidemment difficile à repérer, mais malgré tout... Euh, dans les controverses euh, qui s'avante sur la date de naissance du capitalisme, où il y a des dates de naissance très, très contrastées, nous ce que nous pensons, c'est que euh, ces dates de naissance très contrastées, elles sont partiellement indexées sur le fait que ben, certains auteurs parlent du comportement, donc de quelque chose de micro. Et d'autres parlent de société, quelque chose de macro, et que la date de naissance, elle n'est pas du tout la même selon qu'on regarde l'un ou l'autre. Et nous, en l'occurrence, comme on regarde quelque chose de macro, les sociétés capitalistes, il nous a semblé qu'on pouvait dater à peu près l'extension originelle du capitalisme, le moment où le capitalisme va sortir, en gros, de cette niche à la fois exiguë et dominante, et relativement séparée du monde, pour s'étendre et pour affecter l'ensemble des sociétés. Euh, cette, cette date de naissance, on la situe un peu comme on peut, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Et ça, ça a une incidence, et je m'arrêterai là, euh, sur le fait que pour nous, le capitalisme, ça n'est pas, euh, le, le, comme le propose Weber, ça, ça, pas, ça ne peut pas s'assimiler à un mouvement de rationalisation de la sphère économique. Pour Weber, le capitalisme, c'est la déclinaison dans la sphère économique de la rationalisation des sociétés occidentales. Euh, nous, ce qu'on montre, et Claire va l'expliquer tout de suite, c'est qu'il y a une période qui peut être caractérisée, suivant notre définition, comme une société qui est une société capitaliste et qui en même temps n'est pas une société rationalisée. Je vais présenter très brièvement ce qui est en fait la thèse principale de l'ouvrage, parce que c'est avant tout un ouvrage de synthèse, y compris cette définition du capitalisme. On ne l'a pas inventé, on a juste essayé de clarifier certaines choses proposées dans la littérature. Ce qu'on propose d'original, c'est la périodisation qui n'oriente pas le plan du livre, puisque le plan n'est pas chronologique mais thématique, mais qui se retrouve dans chacun des domaines qu'on étudie successivement la consommation, le travail, l'entreprise, la finance et ainsi de suite. Et donc il y a une thèse forte dans ce livre qui est tout d'abord de dire que les différences entre périodes du capitalisme sont plus importantes que les différences géographiques. Elles sont plus importantes vraiment au sens descriptif, sont plus grandes. C'est-à-dire qu'il y a plus de différences entre n'importe quel endroit du monde du point de vue du fonctionnement du capitalisme entre 1860 et 1930 qu'entre différents endroits du monde du point de vue du fonctionnement du capitalisme en 1930. Sachant que la date d'entrée dans le capitalisme qu'on fixe dans la seconde moitié du XVIIe est indexée sur un capitalisme qui est d'emblée connecté à l'échelle mondiale, notamment par le commerce triangulaire, mais pas seulement. Et donc, notre propos, c'est que le monde entier connaît ces trois périodes à peu près au même moment, avec de très faibles décalages dans le temps, du fait que le capitalisme fonctionne à l'échelle sociale qu'on évoque a toujours fonctionné à l'échelle mondiale. donc par rapport à d'autres travaux qui, en termes de variété de capitalisme, mettent l'accent sur les différences entre pays ou entre régions du monde, ou entre zones marquées par des religions différentes ou autres, on dit bien sûr ces différences existent. on y reviendra sans doute en évoquant le cas suisse. on en parle notamment dans le rapport à l'état. mais elles sont moins importantes que les différences entre périodes. Alors quelles sont ces différences entre périodes qu'on met en avant avec nos trois âges du capitalisme Chacun de ces âges, pour nous, il se caractérise à la fois par des manières dominantes de faire. Donc de faire quoi bah, Tout ce qui attire l'activité capitaliste de produire, de consommer, de travailler, d'engager des travailleurs, mais aussi de mesurer le profit. Par exemple, Alors, la mesure du profit, c'est quelque chose qui a une histoire et qui se fait très différemment dans chacun des trois âges. Donc des manières dominantes de faire et des manières dominantes d'en de, parler d'y penser, de dire ce qui est bien. Et, et les deux sont très, très liés. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle dominante Ça peut être selon les cas, ce qui est statistiquement le plus fréquent. C'est surtout la manière de ceux qui ont le pouvoir, qui ont plus d'influence sur les autres acteurs économiques. Et puis, c'est les manières légitimes, souvent, de faire. Et donc, très concrètement, moi, ça me parle comme historienne, ces différences entre âges, parce que c'est aussi des différences de langage dans les sources. Si vous me donnez une source qui parle de, des activités d'une entreprise en cachant les indices évidents de la date, en fonction du vocabulaire employé, puis des choses qui sont dites comme étant normales et des choses qui sont dites comme étant bizarres, archaïques ou exceptionnelles, je peux probablement vous dire de chaque, quel âge du capitalisme ça date. Je ne pourrais pas forcément vous dire si c'est 1930 ou 1960, je pourrais vous dire c'est le deuxième âge du capitalisme. C'est ça un petit peu nos âges. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que quand on passe d'un âge à l'autre, tout revient à zéro et un nouveau capitalisme est créé ex nihilo. En fait, chaque âge garde un peu des choses de l'âge précédent, puisqu'on parle de manière dominante de voir ce qui se passe, c'est que c'est plus tout à fait les mêmes manières dominantes, mais les manières dominantes d'avant, elles peuvent être requalifiées comme étant un petit peu anciennes, un petit peu traditionnelles, mais continuent à exister, par exemple. Donc chaque âge ne remplace pas l'autre de zéro. Et l'autre chose importante, je pense, par rapport à, à cette thèse, et peut-être ce qui fait son originalité par rapport à certains autres manuels d'histoire économique, c'est que ce n'est pas une thèse évolutionniste au sens d'une évolution linéaire vers un progrès, où chaque âge serait plus moderne que le précédent, ou plus euh, perfectionné, plus compliqué, euh, plus confronté à l'incertitude, ou encore plus méchant, plus exploiteur. C'est plus des manières différentes d'organiser les choses, les entreprises, par exemple. On dit oralement, c'est plus des parfums différents de capitalisme qu'un nombre où le troisième âge serait trois fois plus quelque chose que le premier. C'est capitalisme vanille, fraise ou chocolat, quoi. Alors, c'est quoi ces trois âges Si vous avez suivi le cours ou ouvert le livre, vous le savez. On a mis une chronologie qui est extrêmement approximative, bien sûr, alors un peu pour l'aspect symétrique du manuel et la mémorisation. On a mis premier âge de 1680 environ à 1880 environ, le deuxième jusque en 1980 environ, et puis le troisième on y est encore. Évidemment, c'est jamais à 10 ans près, mais il y a cette idée quand même que dans ces derniers tiers de siècle, du 17e, du 19e et du 20e siècle, d'un seul coup, des choses se transforment beaucoup. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'expliquer vraiment comment on décrit ces transitions. On ne l'a pas vraiment fait dans le livre, mais en fait, avec Guillaume et puis nos co-enseignants à Lausanne... Euh, Sébastien Bilos et Sylvain Brunier, on s'était posé un peu la question, mais finalement, il se passe quoi dans les transitions On n'a pas eu le temps de le mettre vraiment dans le livre, mais si ça vous intéresse, on, on pourra en, en discuter. Mais disons que voilà, pour caractériser ces, ces âges et peut-être finir le, le propos là-dessus, euh, on, on les a nommés, puis on les a un peu incarnés par des figures dominantes euh, ou euh, emblématiques aussi de chaque période. Donc le premier, on l'a appelé l'âge du commerce pour souligner à quel point les négociants étaient les acteurs centraux d'époque et non pas les industriels. C'est-à-dire que la production ne se faisait qu'à la demande de ceux qui faisaient à la fois le commerce et la finance. Et puis, pour cet âge, on insiste sur l'aspect vraiment d'organisation en réseau des entreprises. Il n'y a pas du tout de très grandes entreprises comme il y en a eu après, et pourtant, c'est déjà capitaliste. Et donc, ces réseaux d'entreprises fonctionnent comme des chaînes de sous-traitance qui vont du négociant à la personne qui produit tout en bas de la chaîne, personne qui peut être l'esclave, qui bien sûr joue un rôle très important à cette époque, mais qui peut aussi être la personne qui travaille à domicile, en particulier des femmes, et des enfants dans les campagnes de l'Europe ou de l'Asie, qui travaillent à domicile dans le textile, pour toute une chaîne de donneurs d'ordre qui remonte jusqu'aux négociants. Le deuxième âge, l'âge de l'usine, c'est celui qu'on connaît plus souvent quand on pense au passé du capitalisme, hein, celui de la très grande entreprise bureaucratisée en lien avec un état lui aussi bureaucratique, c'est souvent vu comme l'âge d'or des syndicats, en lien avec euh, l'invention du salariat. Donc euh, des formes d'organisation très différentes où à l'âge précédent, là où on valorisait à l'âge précédent tout ce qui était relationnel, tout ce qui était interpersonnel, on pouvait même faire semblant que des relations entre des gens qui ne se connaissaient pas étaient des relations amicales à l'âge du commerce. Au contraire, à l'âge de l'usine, on va valoriser tout ce qui est un organigramme bien rangé ce qui est grand, ce qui est lourd, ce qui est organisé. Et puis, notre hypothèse qui est venue vraiment au fil des cours et de l'écriture du livre dont on n'était pas sûr au départ, c'est qu'on peut caractériser l'âge dans lequel on vit aujourd'hui comme un âge de la finance, non pas au sens où la finance n'existait pas avant. Évidemment, les activités financières, bancaires, assurantielles et les marchés financiers ont toujours joué un rôle important dans le capitalisme. La différence, c'est le, le rôle que jouent certaines entreprises financières aujourd'hui. Et puis, c'est surtout en termes de valeur, la primauté qui est donnée en particulier à la création de valeur pour l'actionnaire, qui vient vraiment du monde de la finance et qui réorganise beaucoup de choses dans le fonctionnement des autres entreprises. Alors, ça change beaucoup de choses dans le vocabulaire, dans ce qui est valorisé, avec un retour du vocabulaire du projet du réseau. Ça change certaines choses dans les formes des entreprises et du salariat sans pour autant annihiler tout ce qui existait précédemment puisqu'on a aussi des entreprises plus grandes que jamais. Donc on a essayé de, voilà, de, de porter ce diagnostic sur les différents âges depuis le constat que euh, finalement le monde avait changé depuis qu'on était né, hein, quelque chose comme ça, qui est un constat qu'on partage avec Max Weber euh, un siècle après. Et puis, c'est ça qu'on a, qu a voulu tester avec des collègues et des étudiants. En fait. Est-ce que ça a apporté quelque chose de, de proposer cette chronologie très, très synthétique, peut-être un peu trop ambitieuse On s'est dit un peu, voilà, on, on, a, on est dans la quarantaine, on se met à faire un bouquin sur 450 ans d'histoire. Est-ce bien raisonnable Mais voilà, on, on vous laisse voir ce que ça peut apporter dans différents domaines. Voilà, excusez-moi. Euh, merci infiniment euh, Claire et Pierre pour votre euh, esprit de synthèse. Euh, je donne sans plus attendre la parole à Stéphanie Jinalski pour euh, le premier euh, commentaire. Alors, bonjour à tous et à toutes. Euh, merci beaucoup euh, Pierre et Claire pour, pour cette introduction. Alors moi, comme je parle en premier, je vais m'en tenir à des considérations relativement générales, en fait, comme j'ouvre la discussion, et que je crois que mes collègues vont par la suite aborder des enjeux un peu plus ciblés. Euh, je vais peut-être quand même, avant d'adresser les, les points de discussion et d'ouverture, commencer par les quelques points forts du livre. Euh, et puis peut-être commencer par vous remercier déjà d'avoir euh, écrit ce livre qui est vraiment un énorme travail de synthèse, qui est un livre très didactique. Euh, il y a vraiment une clarté du propos qui est extrêmement appréciable et qui est extrêmement précieux, je pense, aussi bien pour les enseignants que, que pour les étudiants, mais aussi pour un public non académique. Je pense que c'est un livre qui est vraiment à la fois pointu et, et accessible. Et euh, voilà, on, on est bien conscient de l'ampleur du travail en fait que, que requiert une telle démarche. Donc. Euh et en tant qu'enseignant, voilà, on vous remercie d'avoir fait ce, ce, cet énorme travail de, de synthèse. Le deuxième point fort, c'est évidemment l'approche interdisciplinaire sur laquelle vous êtes revenu dans la présentation entre sociologie et histoire, et puis aussi la structure en général du livre, comme Claire l'a rappelé, qui est thématique plutôt qu'historique, et qui permet d'aborder justement ces trois âges du capitalisme, l'âge du commerce, de l'usine et de la finance, sous différents angles thématiques. Euh, un des fils conducteurs du livre aussi, sauf Ferreur, je ne sais plus si vous l'avez rappelé dans la présentation, mais euh, je vous cite dans l'introduction du livre, c'est que les changements ne relèvent pas d'une sorte d'histoire naturelle du capitalisme, d'un progrès vers plus d'efficacité, ça ça a été dit, mais euh, voilà, il faut rappeler que ça résulte plutôt d'affrontements politiques. Au sens large du terme, autour d'un élément clé du capitalisme qui est le profit. Et ce que je trouve intéressant aussi dans cet ouvrage, de manière générale, c'est que vous rappelez que voilà, le capitalisme, c'est une histoire des luttes des classes, bien sûr, au sens marxiste, mais c'est aussi une histoire des luttes entre les capitalistes. Euh, et que vous discutez assez finement des différentes fractions euh, des capitalistes. Et puis, ben voilà, ça a été dit dans l'introduction, mais je pense que c'est vraiment important à rappeler que cette approche permet aussi de remettre en question un récit très souvent linéaire, fonctionnaliste, ethnocentré, fondé sur l'idée d'un miracle européen qui serait le, le modèle à suivre. Euh, ce que je trouvais intéressant aussi, et qui est peut-être un petit peu moins connu à l'Université de Lausanne, alors je, je, je vais dire rapidement quelques mots là-dessus, c'est euh, la remise en question que vous faites de l'idée de révolution industrielle. Et vous insistez sur le fait que vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est l'avènement du capitalisme comme système social, donc avènement qui s'opère entre 1680 et 1880, soit à l'âge du commerce, hein. période comme Claire vient de le rappeler, incarnée par la figure du négociant d'une part, de la fileuse et du tisserand de l'autre part, ou la couturière, mais aussi période incarnée par la figure, la figure pardon, du consommateur et de la consommatrice comme vraiment nouvelle figure sociale. Et voilà, je trouve que c'est un des apports importants aussi à rappeler, euh, parce que c'est quelque chose qui permet aussi justement de remettre en question ce récit très auto-centré d'une révolution industrielle occidentale et d'un modèle à suivre. J'ai par ailleurs, sur un point un peu plus de détail, beaucoup aimé les parties qui abordent la naissance et l'évolution des grandes entreprises, au chapitre 6 notamment, et qui montrent là encore qu'il faut remettre en question le récit fonctionnaliste relatant le passage d'une entreprise distribuée vers une entreprise intégrée qui serait considérée comme plus rationnelle et plus efficace. Et là encore, un hein, beau vous... Oups, pardon. <laughs> Merci beaucoup, euh, et là encore, vous montrez bien qu'il faut euh, voilà réintégrer la question des conflits entre groupes sociaux euh, pour mieux comprendre quelle forme d'entreprise est choisie à un moment et à un endroit donné. Alors euh, sur, bon, il y aura évidemment encore beaucoup à dire sur les, sur les apports du livre, mais je vais peut-être euh, maintenant passer aux éléments plutôt de discussion et d'ouverture et, et, et euh, je vais euh, structurer mon propos autour de trois euh, axes thématiques principaux. J'ai dû renoncer à certains, à certains points parce que voilà, on n'aura aura pas assez de temps, peut-être dans la discussion ça reviendra. Le premier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est la question euh, du genre du capital ou du genre du capitalisme. Euh, qui pour moi est peut-être euh, voilà, une dimension un peu trop absente du livre. Alors vous mentionnez bien sûr hein, le rôle important joué par le travail des femmes et des enfants euh, dans la filature manuelle à, à, à domicile à l'âge du commerce, mais euh, globalement, il me semble qu'il y a trois aspects, euh, ou même quatre en fait, qui mériteraient euh, un peu plus de place ou une place tout court dans, dans l'ouvrage. Le premier aspect, c'est la critique qui a été émise par les féministes marxistes en ce qui concerne la non prise en compte, de manière générale, dans l'histoire économique, d'une dimension du capitalisme et de son développement, qui est celle de la sphère des activités essentielles à la reproduction de ce capitalisme. Et on pense bien sûr au travail domestique, mais aussi voilà tout ce qui a trait à la procréation. Et alors, on peut mentionner parmi les plus connus les travaux de Silvia Frederici, qui incite à penser que justement ce travail de reproduction est véritablement un pilier de toutes les formes d'organisation du travail dans la société capitaliste. Un moment charnière par rapport à ça, c'est aussi, la, la, ben cette, on parle de transition tout à l'heure, hein, ce serait alors la transition entre l'âge du commerce et euh, l'âge de l'usine et l'émergence avec la diffusion euh, du travail salarié de la figure de ce qu'on a appelé le breadwinner, c'est-à-dire que euh, c'est l'idée que l'homme est responsable financièrement euh, de la famille. Et que la femme est responsable du euh, travail domestique. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment euh, véritablement structurant pour l'évolution euh, du capitalisme. C'est quelque chose qui a été euh, souligné encore d'une autre manière dans le, dans le livre récent de, de Céline Bessière et Sybille Golac, dans le livre Le genre du capital. Qui montre qu'on parle beaucoup des inégalités euh, entre les classes, mais on, on a moins thématisé les inégalités de patrimoine entre hommes et femmes. Euh, et en fait, les autrices montrent justement comment la famille et le couple sont véritablement producteurs d'inégalités, notamment avec le travail domestique, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qui est un travail invisibilisé, non rémunéré, mais aussi à travers des stratégies de reproduction euh, défavorables aux femmes. Pour prendre un exemple concret, elle souligne bien, à travers différents cas d'études, euh, comment euh, la famille qui possède une entreprise tend à inculquer vraiment le goût du métier aux fils en lien avec la transmission d'un patrimoine qu'il faudrait préserver au sein de la famille, tandis que les filles seront plutôt incitées à donner éventuellement un coup de main. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas impliquées dans l'affaire familiale, mais c'est qu'elles vont être moins perçues comme des héritières euh, présumées du patrimoine euh, familial. Et puis, euh, quatrième axe peut-être de, de cette thématique, c'est euh, la question que vous mentionnez hein, par ailleurs dans le livre de, du, du manque d'accès des femmes aux fonctions dirigeantes euh, dans l'entreprise qui a persisté jusqu'à nos jours. Mais on peut aussi discuter des changements qui ont contribué euh, à faire bouger les lignes dans la période plus récente. Je pense notamment à deux événements. Le premier, c'est euh, comment les mobilisations féministes de la deuxième vague, et surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est la récupération de ces mobilisations par le patronat autour des années 80, en Suisse notamment. Hein, on voit qu'il y a une véritable récupération des... des de manière très contre-intuitive, euh, des mobilisations féministes par le patronat dans le contexte d'une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée et euh, qui vise à euh, ouvrir des postes à responsabilité aux femmes qui en avaient été exclues pendant une longue période. Deuxième élément marquant, c'est euh, la crise financière de 2007-2008 qui va véritablement contribuer à l'affirmation d'un féminisme libéral. Euh, qui, se, qui se dégage complètement du, du, du premier féminisme, on pourrait dire, euh, anticapitaliste. Voilà, ça, c'est des points que je trouvais intéressants à soulever euh, pour la discussion. Alors, ma deuxième, euh, le deuxième point sur lequel j'aurais voulu revenir peut-être de manière un peu plus brève, et ça va être une remarque très large, et peut-être ce sera plus difficile d'y répondre, mais enfin, bon, vous, vous verrez ce que, ce que vous voulez en faire, c'est la dimension nord-sud. Alors, je trouve que, justement, comme je l'ai dit en introduction, vous, vous remettez en question de manière très convaincante euh, ce récit linéaire, fonctionnaliste, ethnocentré, fondé sur l'idée d'un miracle européen qui serait le modèle à suivre. Et en même temps, euh, il me semble que les, la question des rapports nord-sud reste globalement euh, relativement peu présente euh, dans l'ouvrage. Alors vous mentionnez bien sûr les travaux issus de la nouvelle histoire du capitalisme et notamment les travaux de Sven Beckert qui a mis en évidence les liens entre capitalisme et esclavagisme et impérialisme aux États-Unis autour du coton, matière première à l'origine justement du développement économique et industriel des États-Unis, produit dans les plantations du Sud par des Africains réduits en esclavage. Mais à partir de là, vous en parlez relativement peu. Par exemple, qu'en est-il du cas de la France Il y a des débats très importants qui ont eu lieu quant au rôle joué par les colonies dans le développement capitaliste français. On peut penser aux travaux de Jacques Marseille notamment. Enfin, voilà, J'aurais voulu vous entendre un peu sur cette question. Et de manière générale aussi, comment est-ce que la reconfiguration d'un échange inégal entre pays du Sud et du Nord dans la période postcoloniale, même s'il faut bien sûr... Très fortement nuancé, hein, cette dichotomie qui est généralisante, euh, euh, réductrice. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut repenser à cette configuration euh, Comment est-ce qu'on peut penser à cette reconfiguration dans la période euh, postcoloniale euh, Je pense donne un exemple très très concret la question du négoce des matières premières qui est au centre du, du capitalisme actuellement. Euh, alors c'est une vaste question, mais qui permet aussi de, de réfléchir euh, la question euh, du capitalisme transnational, ce qui euh, m'amène à mon dernier point, qui est celui de la question de la mondialisation et de la classe capitaliste transnationale. Alors, pour résumer très brièvement, il y a tout un débat qui a émergé dans le monde académique, mais aussi en dehors de ce monde académique, à la suite de l'accélération du processus de globalisation économique depuis les années 1980, marqué donc par l'internationalisation de la production et l'expansion des firmes multinationales, dans le contexte de ce que vous appelez l'avènement de, 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 de enfin, l'âge de la finance, l'avènement du capitalisme dit actionnarial ou financier. Et euh, certains auteurs, en particulier des sociologues, ont euh, postulé que ce, cette phase avait donné naissance à l'existence d'une classe capitaliste transnationale, euh, qui permettait d'ailleurs de remettre au cœur des discussions hein, le thème de la lutte des classes. Euh, ces auteurs ils font souvent euh, allusion à la fameuse citation de Warren Buffet, célèbre homme d'affaires et investisseur américain euh, qui appartient aux plus grosses fortunes du monde, qui déclarait en 2006 dans une interview euh, au New York Times que. Oui, il y a bien une lutte des classes, euh, mais que c'est sa classe, la classe des riches, qui fait la guerre et qui la gagne. Et euh, en fait, cette question justement de l'émergence d'une classe capitaliste transnationale euh, fait, euh, comme je le disais tout à l'heure, l'objet de nombreux débats euh, dans le champ académique, avec deux courants principaux, on pourrait dire, qui s'affrontent. Euh, un premier courant euh, autour notamment de, de figures comme le sociologue William Robinson, qui affirme... Euh, qu'on a véritablement l'existence d'une classe capitaliste transnationale, euh, formée juste, notamment des dirigeants des firmes multinationales, qui euh, s'autonomiserait euh, des États, des États-nations, y compris des États-nations les plus puissants. Et donc, selon lui, le paradigme classique, hein, centré sur ce concept d'État-nation, euh, est un cadre analytique qui nous est familier, euh, mais qui nous empêche de comprendre les développements du capitalisme au XXIe siècle. Et vous avez d'autres auteurs, à l'instar de, de, de Panitch et din par exemple, qui affirment qu'au contraire, les principales firmes transnationales restent majoritairement basées dans un petit nombre de pays, que leur structure de propriété reste concentrée de manière nationale, et que le centrisme étatique reste un cadre d'analyse pertinent. Et puis, une des, une des critiques qu'on peut formuler, en fait, à l'encontre de, 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 de ces théories, c'est que c'est un peu le manque de perspective historique hein, dans leur analyse et euh, la question de la différence entre ce que les historiens et les historiennes ont appelé la première mondialisation et la mondialisation euh, actuelle, notamment, qui est très peu prise en compte euh, dans cette discussion. Et du coup, il me semblait que c'était un sujet intéressant aussi pour votre livre qui adopte justement cette approche très interdisciplinaire entre sociologie et histoire. Et voilà, j'aurais aimé vous entendre et je terminerai là-dessus. Je crois que je suis pile dans mon temps de parole. J'aurais aimé vous entendre sur ce point. Est-ce que, selon vous, le centrisme étatique reste un cadre d'analyse pertinent pour analyser les transformations récentes du capitalisme ou est-ce qu'au contraire, il est euh, dépassé Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci aussi d'avoir dit ce qu'on n'a pas eu le temps de dire parce qu'on a fait déjà trop long puis on s'est reconfiguré en cours de présentation sur le, le côté délibérément non fonctionnaliste du livre. Pour nous, c'était super important et c'est vrai que c'est sans doute le domaine de l'histoire, l'histoire économique et plus encore l'histoire des entreprises, qui est le plus souvent racontée en termes fonctionnalistes, c'est-à-dire des séquences problème solution quoi. Voilà, il y avait un truc qui était difficile, quelqu'un trouvait la solution comme elle était bien, tout le monde l'a adoptée. Et là-dessus, c'est vrai qu'on adopte une perspective qui est assez simple. Comme on dit, je crois, en introduction, un peu brutalement, le truc, c'est que les solutions des uns sont les problèmes des autres. Et donc, on met plus l'accent sur les, les oppositions entre groupes sociaux, y compris entre différents types de capitalistes. Et ça, ce n'était pas forcément un, un postulat qu'on a adopté de base, parce que voilà, c'est peut-être un peu notre manière de faire l'histoire de la sociologie, mais c'est vraiment qu'en lisant, en relisant les travaux qu'on trouvait les plus convaincants empiriquement... On arrivait toujours à dire que bah, c'était ceux qui euh, adoptaient cette perspective de lutte euh, plutôt que fonctionnaliste. Donc, euh, donc, merci beaucoup, parce que pour nous aussi, c'est le plus important. Alors, euh, sur le, la dimension de genre et la dimension Nord-Sud, c'est clairement des faiblesses du livre, à la fois des faiblesses de bibliographie et puis de structure aussi. Parce que je pense qu'on n'aurait pas fait un chapitre genre, ça aurait été un peu ridicule de poser à côté du reste, mais on aurait pu faire un chapitre thématique ou une partie de chapitre beaucoup plus sur les formes de famille là on l'évoque seulement à l'occasion d'entreprises familiales et qui nous aurait permis de rentrer dans le travail domestique non rémunéré la question du mail breadwinner. en fait dans le cours on avait même une, un instant uh, Sylvia federici à un moment à paris et puis on l'a pas systématisé parce que c'est vrai qu'on en fait on avait un nombre de chapitres qui était un peu indexé au départ sur le nombre de séances du cours. On s'est dit on va pas en rajouter, c'est mauvaise excuse. Hein. Mais on s'est dit qu'il qu faudrait pour le faire bien, il faudrait le, le suivre sur les différentes périodes. Et je suis hyper d'accord avec toi sur le fait que notamment dans la transition âge du commerce à l'âge de l'usine, il y a quelque chose d'extrêmement important qui se joue là-dessus. Et puis très utile à, à rappeler parce que généralement, comme les gens pensent que le passé c'est l'époque de leurs grands-parents. Euh, voilà, il reste idée euh, dans le passé les femmes ne travaillaient pas euh, de façon rémunérée et tout donc c'est utile de dire ça ça a été inventé vers 1880 quoi. donc ça c'est peut-être un chapitre qu'on aimerait rajouter si on avait, euh, si on avait plus de, de temps et plus de place en effet sinon je pense qu'on a essayé de parler des femmes un peu partout ce qui est déjà pas trop mal mais on n'a pas insisté sur le genre euh, du capitalisme euh, aussi au sens des voilà, ce que font les connotations genrées des euh, belles formes d'entreprise aux réalités de répartition du pouvoir entre les hommes et les femmes, par exemple. Je sais qu'on a, oh, dans le chapitre sur la finance, c'est par petite touche, mais comme l'éditeur n'autorisait pas euh, une écriture inclusive forte, du coup on se demandait tout le temps ce qu'on allait féminiser ou pas. Et dans le chapitre sur la finance, ça se voit peut-être pas, mais on a essayé d'insister sur le fait que les, les personnes qui finançaient les autres à l'âge du commerce, c'était beaucoup des veuves, en fait, entre autres. Et donc, il y avait une, une féminisation des personnes apporteuses de capital. Euh, Lorsqu'à l'âge de l'usine, c'est la victoire des managers sur les actionnaires, ben les, les managers sont beaucoup moins mixtes que les actionnaires, qui sont aussi sans doute moins mixtes qu'avant, et ainsi de suite. Et donc, c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas, pas assez poussées et qu'on pourrait vraiment pousser plus. Quoi. Après, c'est un peu ce qu'on qu pourrait dire sur les autres choses qu'on n'a pas bien traitées dans le livre. C'est que là où on est content et contente, je crois, c'est quand ça reste compatible. C'est à quand on se dit oh merde, ça aurait été bien si on avait pris ça en compte. On pourrait faire un autre chapitre, mais ça mettrait pas par terre notre définition du capitalisme, notre vision d'histoire comme affrontement et nos trois âges. Donc c'est chouette. C'est un peu ça. Alors sur la dimension Nord-Sud, c'est là je pense qu'on connaît moins la bibliothèque parce qu'elle est gigantesque les différents aspects de la dimension Nord-Sud et qu'il faudrait plus voir. Mais effectivement, on le traite beaucoup sur la naissance le début de l'âge du commerce parce que ça a été au centre des travaux historiens de, de dire qu'est-ce qui s'est passé en Chine et qu'est-ce qui s'est passé en Afrique etc pour décentrer le récit de l'Angleterre et puis on a moins fait le travail pour les périodes ultérieures et notamment si on doit faire une autre version en anglais ou une autre édition je pense qu'un truc qu'il faut qu'on regarde de près c'est l'Amérique latine parce que comme on ne parle pas énormément des Suds on a tendance souvent à les résumer aux colonies qui est quand même un phénomène massif à l'âge de l'usine pour une grande partie du monde mais Sauf en Amérique latine. Et donc, les pays qui sont placés en périphérie du capitalisme et qui sont quand même assez largement exploités à l'échelle globale, mais qui ne sont pas colonisés, Regardez les conflits entre leurs capitalistes, leur mode d'organisation d'entreprise, c'est ce qu'on a le moins regardé regarder. L'Amérique latine, et ça serait... Ça serait vraiment bien. Et en effet, la reconfiguration aujourd'hui, parce que c'est un commentaire qu'on a eu dans une des discussions de ce livre, et ça nous avait pas frappé avant, ce qui dit beaucoup sur nos œillères bibliographiques, mais c'est que la chronologie de nos âges, elle correspond assez bien aussi à la chronologie de la seconde colonisation, notamment du partage de l'Afrique pour le passage à l'âge de l'usine, et puis de la décolonisation qui précède de peu le passage à l'âge de la finance. Et c'est pas la cause unique. De nos âges, mais ça, ça joue sans doute un rôle, un rôle assez important. Après, sur le, le rôle des colonies dans le développement capitaliste, je pense qu'on pour l'âge du commerce, on le dit sans doute pas assez, mais c'est assez clair pour nous que le rôle est extrêmement important euh, à la fois dans l'accumulation de capital, dans la reconfiguration des rapports Nord-Sud et, et euh, Europe-Asie, enfin que le les premiers empires, en fait, jouent un rôle super important dans l'extension du capitalisme, la mondialisation. Et je pense que ce qu'on a vraiment beaucoup moins bien fait, c'est à la fois expliquer ce qui se passe dans les Suds à l'âge de l'usine, et puis expliquer comment, comment tout ça se reconfigure aujourd'hui. Je te laisse compléter si tu veux. Oui. Alors, sur la, pour euh, merci d'avoir beaucoup pour ces, pour ces remarques sur la, sur la dimension euh, nord-sud. Je pense qu'effectivement, euh, euh, bon, ce qu'on essaye aussi de faire, par exemple, c'est un point qui n'est pas hyper connu euh, chez les sociologues du travail et, et de l'emploi, en, en tout cas en France, c'est de, de, de systématiser la mise en évidence, en fait, du fait que le salariat, c'est quand même le compromis salarial. Ça concerne le nord et que euh, y compris dans un même euh, espace juridique, censément. Je veux dire, euh, ben, concrètement, euh, le droit des salariés ou ceux qui peuvent s'y assimiler euh, ou qui pourraient s'y assimiler, au moins théoriquement, euh, dans les colonies, c'est pas du tout, du tout, du tout le droit des salariés, en fait, et qu'on est beaucoup plus proche, en fait, de statut de travail contraint, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est important. Je pense que ce qu'on a vraiment raté, et c'est un peu couillon parce qu'en fait on avait des billes là-dessus. Euh, c'est effectivement en quoi la fin de la colonisation euh, est aussi quelque chose qui lance l'âge de la finance. Euh, et ça, ça peut lancer l'âge de la finance de manière extrêmement concrète. C'est-à-dire qu'en fait on peut suivre les flux une bonne partie de l'origine de la fortune de bolloré ce n'est pas seulement euh, euh, les ports en afrique etc mais c'est aussi la récupération des fonds de la banque rivaux euh, la banque rivaux euh, c'est euh, la plantation des terres rouges euh, c'est euh, les caoutchoucs de padang enfin euh, c'est que des trucs qui viennent d'indochine. Et euh, que, que, sur lesquels Bolloré a réussi à faire un blitzkrieg avec le style qu'on lui connaît. Quoi. Et, euh, et, et donc, il y, y a des liens. Euh, bon, et l'histoire de Suez, de ce point de vue-là, est encore plus, plus aveuglante. quoi. Et je, je suis persuadé que si on allait euh, du côté de l'Empire britannique, on aurait des histoires qui seraient exactement les mêmes de, de conversion, de forme de capitalisme agricole, par exemple, vers des fonds qui sont ensuite directement redéployés vers, vers un capitalisme financier. Donc je pense qu'on aurait pu raconter des choses là-dessus, et qu'on qu ne l'a pas fait. Un peu faute de place, mais pour être tout à fait honnête, en tout cas en ce qui me concerne, moi je n'y ai pas pensé. Euh, et c'est vraiment dans les discussions où on a attiré notre attention là-dessus, et c'était vraiment très très intéressant. Sur la, 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 la mondialisation, euh, oui je ne suis pas... Euh, Super client, moi, de, de, la, de la première thèse que tu évoques, hein, l'idée qu'on aurait euh, une, une transformation radicale aujourd'hui avec la naissance d'une classe euh, transnationale, euh, pour deux raisons un, un peu contradictoires, mais qui, je pense, sont quand même dans, dans, la, dans la réalité. C'est que, un, euh, cette classe transnationale, elle a toujours existé. Avant d'envoyer de, 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 euh, les étudiants faire euh, un semestre à l'étranger, avant Erasmus, avant tout ce machin-là, il y avait euh, le Grand Tour, quoi. Et donc, on envoyait euh, des jeunes gens, surtout des garçons, essentiellement des garçons, aller euh, se durcir un petit peu la couenne en faisant euh, la tournée des comptoirs, et puis, euh, et puis, euh, et puis vivre un peu leur vie, faire les 400 coups un peu loin du pays avant de revenir. Et ça, c'était aussi une manière de construire un réseau qui était un réseau de, qui était déjà transnational. Et ça, ça a été euh, Anne-Catherine Wagner. Elle l'écrit, elle l'écrit très clairement ça. Enfin, il n'y a pas de d'ambiguïté euh, là-dessus. Bon, par ailleurs, euh, alors. Là, ça nous renvoie à d'anciennes discussions qu'on pouvait avoir dans ces murs il y a, il y a une petite dizaine d'années, mais euh, les, les, les capitalismes nationaux, quand on regarde les, les classes dirigeantes des capitalismes nationaux, elles restent, quand même, elles restent quand même très très nationales. Je veux dire, en Allemagne, il n'y a pas beaucoup de patrons qui ne sont pas allemands. En France, il n'y en a quasiment pas. Et quand il réplique, en général, il repartent assez vite. Euh, en Angleterre, je crois que c'est les pires, les Anglais comme toujours. Euh, ils sont euh, comme ça complètement chassés, comme ça dans un capitalisme qui est très 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 national. Et ça, ça tient au fait qu'il euh, y a tout un appareil de production et de reproduction de la classe dominante qui est quand même très très indexé sur des institutions qui sont des institutions nationales, euh, dans lequel la proximité avec l'État, quel que soient les pays, il y, y a évidemment pas qu'en France, joue son rôle, mais euh, bah, avec Également euh, euh, des configurations universitaires, euh, bon. et, et là on retombe. Tu citais euh, euh, Warren Buffett, mais, mais sur l'extraordinaire agilité de la classe dirigeante à euh, réussir à faire en sorte pour que tout change pour que rien ne change et, 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 et à, à, à voir justement bon, bah ok, les institutions euh, universitaires de reproduction des élites euh, se transforment, elles sont désormais dans un environnement mondialisé, mais ben, qu'à cela ne tienne, on va s'adapter et elles s'adaptent. Et la plupart s'adaptent. Alors, il y a des reconfigurations à la marge, il y avait des institutions qui étaient très marginales, qui deviennent très centrales, etc. Ok, mais euh, c'est quand même globalement euh, des dispositifs qui restent quand même euh, très, très enchâssés dans des espaces qui sont des espaces stataux nationaux Après, euh, avec éventuellement une circulation qui est une circulation euh, un peu accrue. C'est clair que quand on travaille sur l'échelon européen, on voit bien que, par exemple, la proximité qu'il faut être capable d'entretenir, ce n'est plus uniquement avec la capitale, mais c'est aussi avec Bruxelles. Mais, mais enfin, il y a beaucoup de travaux qui montrent, là encore, l'extraordinaire agilité en l'espace de 30 ans. C'est court, je veux dire 30 ans à l'échelle de l'histoire du capitalisme, dans un milieu qui est quand même un milieu censément extrêmement conservateur, la classe dirigeante. Ben là, non, on a une agilité extraordinaire, une capacité à construire des réseaux et des, des voies d'influence vers un centre qui est un nouveau centre, mais qui vient plus s'ajouter, me semble-t-il, euh, aux centres nationaux que, que s'y substituer véritablement. Je vous remercie. Je vous propose qu'on passe sans plus attendre aux commentaires de Philippe Muller. Oui, volontiers. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup aussi pour votre invitation. Mon propos sera un peu moins disant. Riche en analyse du point de vue disons, académique, mais je me concentrerai notamment un peu sur la question du travail, finalement, comment vous la thématisez, en lien avec aussi les âges que vous définissez, et qu'est-ce qu'on peut faire comme lecture un peu historique par rapport à la Suisse, peut-être avec quelques particularités. Mais en introduction, quand même aussi, vous remercier pour ce récit très stimulant, accessible, bien documenté, extrêmement ample, qui mélange bien aussi les niveaux macro, micro et méso, parfois, disons, à des propos illustratifs, ce qui est toujours bien. Dans les, dans les ouvrages d'une aussi grande ampleur en termes de thématiques traitées, je trouve. C'est aussi un manuel d'introduction, puisqu'on est ici dans un, dans un cours, je pense, qui est très facile d'accès et qui met en lumière différentes thématiques de manière assez, disons, bien, bien, bien accessible, justement. Donc, j'ai même pensé à une formation syndicale, donc les cartes syndicaux, par exemple, pour nous, parce qu'on a des formations, évidemment, pour nos cadres, c'est quelque chose de très, de très accessible, je pense. C'était pour moi aussi un plaisir un peu plus intellectuel, personnel, de me replonger très à distance dans quelques-unes de ces lectures que j'ai pu faire aussi pendant mes études sur cette fameuse question, de la naissance du capitalisme. Vous l'avez bien distingué entre cette notion de société capitaliste et le comportement de capitaliste. Donc les capitalistes avant le capitalisme, par exemple. Et ce lien, je trouve convaincant à la base, mais j'apprends une petite remarque, entre l'âge du commerce et la consommation de... De, on voit de massification finalement qui caractériserait selon vous le début de cette société disons capitaliste, Brodel, Wallerstein Gunder Frank, qui est un auteur qui m'a aussi beaucoup marqué, qui n'est pas un historien mais qui sur une des dimensions, pour parler de la géographie finalement qui est moins importante que le temps disons des âges, c'est Samir Amin avec cette notion de rétrécissement de la distanciation de l'espace-temps n'est-ce pas, qui, qui quand même fait aussi disons référence à un des enjeux qui, qui lie finalement le temps et la géographie en tout cas le temps et l'espace jusqu'à jusqu un certain point alors, une remarque un peu par rapport à cette question de naissance. Il y avait ce livre de Giovanni Arrighi dans les années 90, The Long Twentieth Century, où lui, alors, il avait une position un peu plus antédatée. Il situait finalement l'émergence de la société capitaliste dans ces villes-États, même avant Venise, à Florence et ainsi de suite, où finalement il y a une sorte de concomitance entre le pouvoir étatique, finalement, et la maîtrise, on va dire, des flux commerciaux et financiers par les mêmes élites qui sont aussi, disons, au sommet de l'État de l'époque, donc est-ce qu'il y a donc finalement quand même des sociétés capitalistes, peut-être un peu embryonnaires avant ce que vous qualifiez comme âge du commerce et donc naissance de la société capitaliste. Et un deuxième point un peu en lien avec cette notion de samiramine, Mano par rapport à l'âge aujourd'hui, âge de la finance que je, que je, je partage votre analyse, c'est finalement un enjeu, je pense, important, c'est cette nouvelle peut-être frontière virtuelle et intime que le capitalisme contemporain est en train, disons, de creuser de plus en plus avec la digitalisation la société d'un côté, avec l'interconnexion de plus en plus forte, disons, de nos, de nos comportements de consommation et ce qu'on sait sur nous, en quelque sorte. Il y a ce ouvrage de... Zuboff sur le capitalisme, la surveillance. Ça, je pense, c'est un enjeu très important pour la suite, y compris après pour le rapport entre classes, aussi pour les possibilités, on va dire, de mobilisation, parce qu'évidemment, dans le domaine syndical, dans les rapports, disons, capital et travail, c'est un enjeu comment on mobilise par rapport à cette atomisation en cours de la société autour d'enjeux collectifs. Donc, ça, c'est pour les quelques propos un peu introductifs. Maintenant, le capitalisme et le travail en lien avec le cas suisse. Alors là, ce que vous faites comme qualificatise des formes dominantes du travail pendant ces trois âges, le Ferlac-Système, comme on l'appelle en allemand, la proto-industrialisation, le travail à la tâche, évidemment d'accord. L'âge de l'usine avec l'émergence du salariat contractuel, avec des protections sociales minimales en voie d'extension pendant cette parenthèse, disons, keynésienne, peut-être, entre 1930, 1980, 1990. Ça aussi, même si en Suisse, il y a beaucoup de, disons, de réserves à avoir justement par rapport à ce lien salariat plus extension des droits sociaux, et l'âge de la finance, évidemment aussi en Suisse, les attaques contre le salariat, des nouvelles formes de précarité, avec le travail sur appel, ou avec ce modèle, disons, disons funeste, en hein, quelque sorte, d'Amazon, ce customer experience, avec derrière les logiques de just-time, une précarisation euh, quand même forte de beaucoup de salariés, dans cette notion aussi un peu d'ubérisation, dans le domaine du dernier kilomètre logistique, qui est fortement quand même aussi, disons, à critiquer aujourd'hui. On a des, des, des exemples récents, peut-être vous l'avez vu, on a un service de livraison pourtant helvétique qui s'appelle Smooth, qui applique des pratiques particulièrement, disons, euh, disons, néfastes, avec un just in time, dans le sens où vous êtes payé uniquement quand vous faites une livraison, puis le temps d'attente, c'est votre, pour votre pomme. Maintenant, sur la particularité du cas suisse, là, il y a une sorte de constance, quand même, depuis le 19e siècle, que le fait que le droit du travail suisse est extrêmement libéral, extrêmement permissif, et donc, je dirais trois choses. D'une part, il n'y a pas de protection contre le licenciement depuis que la Suisse disons, moderne existe. Il n'y en a juste pas. C'est un combat permanent. Il y a maintenant, juste au niveau du sommet de l'État, une tentative par un, un ministre de l'Économie avec le patronat et les syndicats de trouver peut-être là un embryon disons, de, 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 de base légale. Il n'y a pas d'obligation de plan social lorsqu'il y a des licenciements collectifs, à moins d'avoir au moins 200 salariés dans une entreprise qui représente à peu près, je parle, 0,1% des entreprises en Suisse. C'est une économie de PME, de PMI, évidemment, comme le sait. Et pour, pour autant qu'il y a 10 de ce collectif de 200 soit concerné par le licenciement collectif. Vous pensez bien en termes en tout cas, de droit, c'est quelque chose de très très peu développé. Et cette cette logique, de la faiblesse du droit du travail, évidemment, elle est aussi l'expression de ce qui a été dit tout à l'heure avec ces rapports de classe assez défavorables par rapport, disons, au monde syndical et de la gauche de manière générale en Suisse, avec un bloc bourgeois extrêmement fort dans ce pays. Bloc bourgeois étant une notion historique qui fait référence à l'alliance entre les partis bourgeois, le parti libéral radical notamment aujourd'hui, et les milieux d'exploitation de la finance, qui ont toujours réussi finalement, j'y reviendrai peut-être en conclusion si j'ai... Encore deux minutes, parce que je sais que le temps avance, à maintenir effectivement l'ici un état extrême et iso-rachitique du point de vue social, sauf, et j'y reviendrai après, sur l'âge de la finance, où c'est un tout petit peu différent, c'est-à-dire que protection contre la vieillesse uniquement à partir de 1948, embryonnaire, obligation d'avoir une sorte de cotisation individuelle, capitalisation individuelle pour la retraite, obligation seulement à partir de 1985, obligation de s'assurer contre le chômage en 1983, Enfin, je pourrais citer encore d'autres exemples. Donc, c'est très très tard. Finalement, c'est au, au début de l'âge de la finance qu'on suit. C'est ça ce que je voulais un peu souligner. Que certains acquis, certains droits sociaux étendus et obligatoires sont finalement devenus réels, alors que dans d'autres pays, on a le backlash social, voilà, qui, qui est beaucoup plus puissant finalement. En parallèle de ça, parce qu'on n'est quand même pas resté disons inactif ni les patrons ni les syndicats, il y a évidemment la gestion des relations privées de travail à travers les conventions collectives de travail donc les tarifs tragués, comme on dirait en allemand, où effectivement toute une série d'enjeux qui n'étaient pas, disons, régis par le Code des obligations, par le droit du travail, type salaire minimum maintenant, type protection contre la maternité, type même, disons, conditions salariales générales, ont pu être négociés et ont donné lieu à une sorte de gestion para-étatique ou privée, peu importe comment on la qualifie, d'un enjeu important qui n'est pas, disons, couvert par l'État et qui ne l'est toujours pas d'ailleurs aujourd'hui. Ça, c'est peut-être un peu une spécificité. Deuxième, deuxième aspect, par rapport à ce que vous faites, c'est un peu en dehors maintenant de ce que je viens de dire, cette dimension, le premier segment, le deuxième segment, non, du, du marché du travail, en quelque sorte, là, ça existe évidemment en Suisse, mais clairement lié à la migration, pendant l'âge de l'usine. C'est-à-dire qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale, la gestion de la main-d'oeuvre, disons, étrangère, avec le statut de saisonnier, vous connaissez peut-être, c'est 9 mois, 10 mois maximum vous est resté, puis pas les familles, etc. C'était une variable d'ajustement extrêmement forte, utilisée dans les années 1981 70 70, on dit en français 70 pour justement juguler en quelque sorte la crise à travers l'exportation du chômage en Suisse. Pendant l'âge de la finance et ça je voulais en venir. Vous me dites, Monsieur Bossir si j'ai encore deux minutes là-dessus, ça va Mais pas plus. Pas plus. Si pas plus. Donc c'est ça ce qui est intéressant. Contrairement à beaucoup d'autres pays. D'une part, il y a l'abolition de ce statut de saisonnier, donc une régularisation de la situation de centaines de milliers de, de travailleurs qui étaient déjà là du Bralamont en Suisse, qui avaient désormais des, des droits beaucoup plus forts, avec d'ailleurs une hausse des salaires, parce que quand vous étiez sa euh, saisonnier, vous avez 15 à 20 moins de salaire à cause de la précarité de votre statut, une hausse du taux de couverture des salariés en Suisse par ces conventions collectives, parce que dans le rapport, disons, entre ce bloc bourgeois et la gauche, tout au dessus de la question européenne, il était nécessaire de faire, faire certains compromis. Donc une extension de la couverture par ces conventions collectives qui couvrent maintenant plus de 50% des salaires en Suisse contre 40% au début des années 2000, 2000. Lié aussi à un regain de combativité finalement des syndicats qui ont pu obtenir ici effectivement des avancées importantes. Et parallèlement à ça, une obtention de nouveaux droits sociaux. Donc extension de droits sociaux, congés, maternité, obligation d'allocation familiale et ainsi de suite. Et peut-être dernière remarque quand même là-dessus, je pense... Dans le cas suisse, ce qui est vraiment intéressant, je le souligne un peu fortement, c'est que pendant l'âge de la finance, on a une évolution un peu contraire à la tendance générale, y compris d'ailleurs, parce que vous parlez du service public, y compris d'ailleurs dans le service public, parce que, je pense, c'est lié aussi à la démocratie semi-directe, il y a pu y avoir recours à ces droits politiques pour barrer la route à des tentatives de démantèlement, par exemple, des services publics, qui font, pour être court, qu'aujourd'hui, la Suisse, et c'est assez curieux, est un des pays les plus étatiques au sens propriété publique des entreprises publiques ou des réseaux, je pense du monde. Donc il y a deux tiers de l'entreprise de télécom qui est en main de l'État. Il y a tout un, un réseau de banques cantonales, donc le crédit à la, à la tissu économique locale qui restait publique dans ce canton d'ailleurs, heureusement, parce que la gauche avait lancé un référendum que la droite voulait privatiser cette banque, donc ça c'est une petite anecdote, mais donc ça montre bien. Et le troisième, c'est que dans le domaine de l'électricité, dans le domaine des chemins de fer, dans le domaine aussi d'ailleurs de la santé, la Suisse est restée ou devenue encore davantage un pays où, du point de vue de la pure propriété des entreprises, évidemment, le new public management n'a pas, disons, pas arrêté devant ses portes. C'est resté un pays assez statique et c'est intéressant en lien avec tout ce que vous dites dans votre ouvrage, pour lequel encore une fois, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Euh, c'est euh, évidemment comme toujours quand on est, quand on est français. Donc, complètement plouc et qu'on ne connaît pas euh, la Suisse et qu'on peut euh, en entendre parler de manière un petit peu circonstanciée, c'est euh, tout de suite génial. Euh, donc merci pour toutes ces remarques. Je, je voudrais réagir essentiellement autour de, autour de cette idée comme ça d'une de, de, un, sorte de, de dynamique un peu contre-intuitive du droit du travail euh, enfin, et des protections, euh, plus généralement, euh, protection sociales. Et sur les services publics, peut-être, euh, je laisserai Claire euh, compléter, enfin, tu compléteras sur ce que tu voudras, évidemment, mais là-dessus, je trouve ça vraiment extrêmement intéressant. Ça, ça, je ne vais pas, évidemment, commenter la situation euh, suisse que je ne connais pas euh, euh, suffisamment, c'est peu de le dire, pour pouvoir intervenir dessus, mais simplement pour la mettre en perspective, remettre en perspective les remarques que vous faisiez par rapport à d'autres euh, situations sur ce qui se joue euh, sur l'âge de la finance. Une manière assez, euh, assez euh, disons, euh, rudimentaire, pas fausse. Hein, mais euh, élémentaire, disons, de, 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 de présenter l'âge de la finance, c'est de dire au fond qu'à euh, partir d'un combat qui se joue essentiellement à l'intérieur de la classe dominante, entre, disons, pour aller vite, des managers et de l'autre, les actionnaires, les propriétaires du capital, euh, en gros, ce qui, euh, ce qui se rejoue à la fin du compte, euh, c'est euh, une revitalisation de l'affrontement capital-travail, qui est, euh, est l'un des affrontements euh, constitutifs de ce que c'est que le capitalisme. Euh, c'est vrai, mais c'est inégalement vrai selon les pays. Voilà. Et euh, la version un peu quintessentielle de cette, de cette revitalisation, euh, telle qu'elle est documentée dans la, dans la littérature, hein, c'est euh, essentiellement aux États-Unis et en Grande-Bretagne, euh, où on a à la fois euh, une, une croissance très considérable du pouvoir des actionnaires, de leur part euh, dans le partage de la valeur, et simultanément un affaiblissement qui a été délibérément organisé euh, euh, des syndicats, donc une désyndicalisation massive et un, un, une perte de pouvoir syndical très considérable, et un recul également considérable et très, très spectaculaire euh, des, euh, des conflits sociaux, euh, des conflits du travail. Euh, et, et ça, ça c'est en gros le cas états-unien, c'est ça. Le, la, dans la plupart des pays européens, c'est assez différent quand même. Euh, c'est assez différent et euh, on n'a pas une désyndicalisation aussi massive et on n'a pas nécessairement un, un reflux aussi massif euh, des, euh, des conflits sociaux. Et euh, de ce point de vue-là, en, en France, des travaux récents qu'on qu a, qu a fait avec, euh, avec un, un étudiant Théo voldoir euh, euh, montrent. En fait, on, on s'est intéressé en fait à la, à la décrue des conflits collectifs en France, des conflits du travail dans les, dans les entreprises françaises. Et on s'est dit est-ce que c'est un scénario à l'américaine Est-ce est que bon, il y a une baisse générale des conflits, euh, des conflits collectifs, en particulier sous la forme un peu dure avec arrêt de travail et tout Est-ce que c'est dû à, euh, la, la, en gros, une, une stratégie patronale ou un effet induit de la financiarisation qui fait que, bon, bah, dégradation des conditions d'emploi, c'est plus compliqué pour les gens de, de, de se mobiliser parce qu'ils sont sur des sièges éjectables, donc euh, baisse des conflits. Et euh, donc, ça a été un peu compliqué à mettre en évidence, mais, mais on arrive à des résultats statistiques qui sont vraiment, vraiment assez, assez nets. Euh, et en fait, c'est pas ça du tout qui se passe. cest ce pas dans les entreprises financiarisées qu'il y a une baisse des conflits il euh, y, euh, y a une baisse des conflits au niveau agrégé et au niveau national parce que les poches traditionnelles de conflictualité, l'industrie, le transport, les entreprises nationalisées, etc., elles-mêmes se rétractent. Euh, et que par conséquent, il bah, y a moins d'endroits où traditionnellement, euh, suivant notre typologie à l'époque de l'âge de l'usine, il y avait beaucoup de conflits, donc maintenant il y en a moins. Mais euh, au contraire, ce qu'on voit, c'est que dans les entreprises, dans les entreprises financiarisées, euh, là, pour le coup, en fait, il y, y a plutôt moins de conflits qu'ailleurs. Euh, et, et ça, en fait, quand on, quand on fait des monographies, quand on regarde un peu plus dans le détail, etc., on se rend compte que ben, ça tient au fait que les conflits c'est coûteux pour l'actionnaire et que les entreprises financiarisées souvent elles gagnent pas mal de sous et que par conséquent ben, elles préfèrent lâcher. Et euh, quand, quand, quand on sent que ça commence à, à dégénérer un petit peu, on lâche. Et puis ça, euh, et puis ça permet de, euh, ça, ça permet de, de, de libérer, enfin euh, de, 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 fluidifier la production, quoi. Et ça, ça m'amène du coup à une remarque sur, moi, je, là encore, je connais pas du tout le, le cas suisse pour pouvoir trancher entre ces deux interprétations, mais vous décrivez votre situation, votre la, la situation de la Suisse, un peu comme un phénomène de rattrapage, en quelque sorte, comme un phénomène d'hystérésie, c'est-à-dire qu'en gros, il y aurait une forme de d'archaïsme du droit du travail en, en Suisse qui aurait été comblée. Euh, en fait relativement tard euh, dans l'histoire euh, dans, dans du droit du travail en Suisse. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y aurait un autre mécanisme du type celui que j'évoquais C'est-à-dire qu'en gros, ben, euh, les, les, les propriétaires du capital se rendent compte que s'ils veulent que les choses fonctionnent et fonctionnent de manière fluide, euh, il, faut, il, il faut éventuellement un peu moins maltraiter les gens. Euh, c'était euh, ce qu'écrivait ce qu suzanne berger euh, sur les limites de la modularisation de la production. Euh, comme ça, avec toutes tout les logiques de délocalisation, etc. il y avait euh, l'un des patrons qu'elle avait, euh, qu avait interrogé qui avait eu cette formule fort élégante qui avait dit, you, you pay peanuts, you get monkeys. et, euh, et donc, avec, voilà, une, une interprétation différente, disons, de l'articulation entre évolution du droit du travail et financiarisation, c'est qu'éventuellement, euh, ça peut être l'intérêt bien compris aussi euh, des actionnaires, à la fin du compte, d'améliorer euh, les conditions de travail pour éviter que les conflits ne se développent. Des, des tout petits compléments, juste en revenir deux secondes sur la question de la naissance, parce que merci de nous avoir aussi lu sur ce qui concernait moins directement vos activités actuelles. Et puis si ça peut servir aux étudiants et étudiantes, effectivement, euh, c'est le, le cas des villes-États comme Florence ou d'autres ports comme Amsterdam, par exemple. Il peut y avoir des zones en Asie qui fonctionnent de la même façon, des comptoirs. Il met un peu le bazar dans notre définition et dans notre chronologie parce qu'on n'est pas dans des phénomènes purement individuels, complètement déconnectés du pouvoir politique notamment, mais on n'est pas dans des très grands nombres de personnes complètement interconnectées à l'échelle mondiale. Donc c'est vrai qu'on est un peu dans l'entre-deux et que c'est tout à fait légitime de parler de petites sociétés capitalistes pour ces cités-États ou ces ports. Pour des périodes à partir du XIIe, XIIIe siècle, en réalité, dès qu'on dispose de bonnes sources pour, pour documenter l'activité économique, ça pourrait être Goa si on veut aller en Asie. Euh, donc, euh, c'est donc plus une question de degré là, où on, on prend la fin du XVIIe siècle parce qu'on a cette interconnection mondiale et d'un seul coup beaucoup plus de jeunes géographiques et de personnes qui sortent notamment de l'agriculture d'autosubsistance pour entrer plus ou moins volontairement dans ces échanges là. Mais, euh, mais ces formes de, de la fin du Moyen Âge, c'est déjà les formes d'organisation d'âge du commerce. C'est-à-dire qu'elles viennent de là. Ce n'est pas un truc intrinsèquement différent ou qui serait archaïque. C'est déjà les fonctionnements qu'on retrouve ailleurs au, au 19e siècle, en gros. Et euh, merci beaucoup sur le, le cas suivant, parce que je ne l'ai pas dit, mais vous savez si vous avez feuilleté le livre. On a choisi de mettre des vignettes un peu sur différents pays, mais de poursuivre deux histoires un peu en continu, la France et les États-Unis, parce que c'est ce qu'on connaissait le moins mal. Et on s'est dit qu'en mettant deux cas, on verrait déjà qu'il y avait des différences entre pays. Mais c'est génial pour nous d'avoir à chaque fois de, de nouvelles choses, et notamment ce qui est contre-intuitif sur les entreprises publiques. Nous, on cite le fait qu'aux États-Unis, il y en avait vraiment beaucoup au début des années 80, ce qui n'est quand même pas très, très connu. Mais en fait, elles n'étaient pas du tout minuscules. Il y avait pas mal d'entreprises nationalisées également. Et pour la Suisse, c'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte, alors qu'on utilise les CFF quand on vient quand même qu'aujourd'hui, qu c'était encore important. Donc, je pense que c'est super important par rapport aux stéréotypes sur les pays. Et sur la chronologie, euh, c'est vrai que je pense que là, on est dans un manuel introductif, puis on a voulu faire trop de choses à la fois pour parler du travail aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois dérouler ce qui est quand même euh, important dans, dans les discussions médiatiques et politiques, qui est cette idée de remise en cause du salariat comme norme, de promotion de nouvelles formes d'indépendance. On dit en France auto-entrepreneuriat, tous les contrats entre les deux etc. C'est super important comme débat, ça touche des personnes. Cela étant, le salariat reste une référence de lutte extrêmement importante dans beaucoup de pays où il n'y a pas eu ou très tard ces acquis-là. Encore plus dans les Sud, on cite des petits exemples au Maroc ou en Chine où concrètement, il y a juste de plus en plus de gens qui sont salariés, généralement avec peu de protection, mais qui se battent pour avoir des protections un peu type âge de l'usine. Et en réalité, même si on regarde en France, alors la chronologie plus précoce en Suisse, qu'en Suisse, ça dépend des types de protection, mais beaucoup de choses sur lesquelles les gens se battent aujourd'hui en disant c'est les acquis sociaux, datent des années 70 ou 80 également, en fait. Alors pourquoi ça Un peu parce que c'est les, les aléas des alternances et des luttes politiques, comme vous l'évoquiez, dans les différents pays euh, qui se lient à d'autres sujets que les sujets de droits sociaux. Et peut-être aussi parce que c'est une question de qui on parle. Et vous, vous évoquiez la, la segmentation du marché du travail à l'âge de l'usine. C'est-à-dire qu'on on pense souvent, rétrospectivement, l'âge de l'usine, c'est l'âge d'or des protections des salariés, mais pas pour tout le monde, en fait. C'est l'âge d'or des protections des gens qui ont un boulot stable dans une grande entreprise. Et donc, notamment, tendanciellement, ça exclut les immigrés de façon plus ou moins radicale, selon les pays. Parfois aussi les immigrés intérieurs qui viennent des campagnes. Euh, parfois des minorités raciales comme aux États-Unis. Toujours les femmes. Et ainsi de suite. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, nous, on insiste sur tendanciellement euh, la, euh, le, la perte de protection de certaines personnes qui étaient sur le segment primaire. Mais ce qui se passe aussi, suite aux différentes études sociales, c'est que ces découpages-là, ils sont remis en question quand même. C'est-à-dire qu'il y a eu des gains de droits pour, suivant les pays, les immigrés, les Noirs, les femmes, and so on. Ce qui fait que pour beaucoup de ces groupes, en fait, on ont plus de protection. Qu'à que l'âge d'or supposé de la protection sociale. Donc, ça, on ne l'a pas sûrement développé assez dans le cadre d'un manuel, mais je pense que ça donne à penser en effet sur, le, sur ce que c'est l'âge de l'usine et que ce n'est pas nécessairement d'un seul coup une, une destruction de, de toute forme de droits sociaux, parce enfin, que c'est l'âge de la finance par rapport à l'âge de l'usine. Donc, merci beaucoup, ça nous fait bien avancer là-dessus, je pense. Merci beaucoup. Alors, on a accumulé un certain retard dans la table ronde, donc je vais vous inviter <laughs> euh, à faire court ou au moins vraiment vous en tenir au temps qui a été euh, défini à l'avance. Donc, je, je donne la parole maintenant à Lena Djacic pour, euh, pour son commentaire. Merci. Merci, ça marche. Euh, bonjour à tout le monde, j'espère que vous êtes encore là. <laughs> Euh, je vais que me répéter sur les compliments, mais euh, c'était un grand plaisir de me pencher sur ce livre, euh, que j'ai non seulement apprécié pour sa clarté dans l'argumentation, euh, dans l'explicitation euh, des, des choix prises, mais euh, que j'ai également beaucoup apprécié pour la, la largeur de l'argumentation, tant au niveau de, de la durée historique couverte euh, que des domaines des systèmes économiques et sociaux touchés pour dire que si on est en thèse, des fois on a l'impression que les sujets qu'on traite, c'est le monde entier. Vous m'avez fait réaliser qu'il y a des choses au-delà de la finance contemporaine. Je ne vais pas sortir de ma zone de confort et focaliser mon commentaire sur les propos développés dans le chapitre sur l'âge de la finance. Et je vais faire une tentative de les lier avec l'entrée du livre. Euh, parce que l'ouverture euh, enfin, à cet ouvrage est dédiée à une question précise, celle des inégalités économiques croissantes. Euh, vous écrivez quasi sur la première page que pour comprendre l'accroissement des inégalités, il faut euh, de, de démêler les relations qui constituent euh, le capitalisme. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est de systématiser le lien entre capitalisme à un âge de la finance, comme, comme développé dans le livre, et cette promesse qu'une histoire du capitalisme nous, nous permet de comprendre la, la création d'inégalités économiques. Euh, et pour systématiser ce lien, j'avance trois questions. C'est un peu un schéma on, 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 on se réfère toujours à trois éléments, mais voilà, je le répète. Euh, et je vais souligner les éléments qui parlent à ces questions que j'ai pu trouver dans euh, votre livre ou que j'ai justement pas pu trouver. Euh, alors, la première question euh, qui lie la forme du capitalisme aux enjeux et des inégalités est euh, quelle couche dans l'hierarchie du système profite d'une organisation capitaliste financière donc, euh, la question se pose en, en premier temps, en ce premier temps, euh, à, au niveau des positions hiérarchiques. est-ce que ce sont les employés, les managers ou les actionnaires qui, qui profitent du capitalisme à, à l'âge de la finance? Euh, pour dire que cette question a, a des cas de figure très actuels, euh, je ne sais pas si vous êtes sur twitter, mais la semaine passée, il y a un tech guy qui a pu sortir 44 milliards de sa poche pour euh, ra racheter Twitter. Et du coup, c'est maintenant à Elon Musk. Euh, je trouve que le livre discute euh, de cette question de manière euh, très explicite, dans le chapitre sur la valeur actionnariale euh, notamment, euh, où nous apprenons que la rentabilité des actions augmente de manière radicale depuis les années 60 et que ce sont avant tout les actionnaires qui en profitent ensemble avec les, les managers. Euh, qui ont vu leur composition de revenus changer euh, en, en incluant euh, par exemple des, des stock options et d'autres euh, revenus en, en, euh, en titres euh, à travers les années. Euh, nous apprenons également que de l'autre côté, euh, la réorganisation de la structure des entreprises précarise des salariés. Euh, indiqué par un, un taux de syndicalisation décroissante, par exemple. Et vous, vous venez de, de rajouter d'autres exemples euh, ou d'autres éléments par rapport à ça. Ce que j'aimerais rajouter moi est un, un point qui a été soulevé par des chercheurs, chercheuses tels que Banquet et Bourgeron, euh, qui est de dire que la manière dont font profit certains acteurs à l'âge de la finance, tels que des firmes de, de private equity. Euh, peut avoir des conséquences dévastatrices pour les employés. Euh, des recherches ont montré, par exemple, que dans des établissements de soins qui sont détenus par des firmes de private equity, euh, les gens meurent plus tôt, euh, ce qui, à son tour, euh, indique la dégradation de, de conditions de travail dans, dans ces établissements, qui est étro euh, étroitement lié à la manière dont on fait du profit dans ces nouvelles euh, firmes financières. Euh, sujet qui va être traité au sein de notre groupe par Benjamin qui est là avec nous. La deuxième question euh, liée au capitalisme financier et inégalité est quels sont les segments économiques qui ont profité le plus d'une entrée à l'âge de, de la finance Donc on n'est plus au niveau de, de l'hierarchie, mais de des segments économiques. Euh, le livre, à ma lecture, démasque la tendance de, de penser la finance comme un champ homogène. Ce n'est pas en fait, fait la finance, mais il y a des sous-segments financiers qui marchent différemment euh, et donne des réponses partielles à cette question en demandant à qui profite ce système à venir concurrencer les banques. Euh, c'est vrai que dans, dans nos recherches, c'est sorti très fort que si nous voulons, voulons comprendre les inégalités économiques actuelles, euh, nous devrions plus mettre en avant la sphère financière qui euh, qui va concurrencer la finance traditionnelle. Et si je parle de finance traditionnelle, je pense par exemple aux grandes banques, euh, euh, de, 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 euh, aux grandes banques d'investissement. Euh, et en plus de cela, il y a la sphère euh, à laquelle on réfère des fois comme le, la shadow, shadow banking industry ou euh, alternative fi, finance, finance alternative. Et ce qu'on voit dans nos travaux, mais également dans les travaux de Applebaum Pot ou Chibadulina Eaton très récemment, c'est que les sous-secteurs les plus lucratifs et, et donc extractifs de la finance ne sont plus les grandes banques d'investissement, euh, mais, mais ce sont des fonds de private equity et de hedge funds. Pour passer au troisième point, la troisième question est celle de la reproduction. Alors, qui, en termes de classe, genre, race, âge, réseau ou d'autres caractéristiques sociodémographiques, peut arriver dans ces positions et secteurs les plus lucratifs Et adoptant une posture critique, je dirais que c'est sur cette question-là que le livre est plutôt silencieux. Euh, et c'est clair aussi que je vais le soulever parce que euh, c'est la question clé que nous traitons tous et toutes, chercheurs de, de, du groupe Obélis à, à Lausanne. Euh, voilà, <laughs> donc euh, ce que je peux dire, c'est que les travaux de Megan Nili, par exemple, ou les travaux de Fabien Fourreau, qui, qui a aussi fait partie de notre groupe de recherche, montrent que des dynamiques patrimoniales basées sur des relations de confiance euh, et d'homophilie dans des, des boîtes les plus lucratifs euh, exclut davantage des gens qui ne sont, issus, euh, qui, qui ne sont pas issus d'un du, groupe social dominant. Euh, pour être court, ça veut dire ce sont les white male. Euh, issus de classes sociales élevées, qui arrivent, euh, qui arrivent dans l'âge du capitalisme financier dans des positions qui leur permettent de, de tirer profit du système. Euh, bien sûr qu'il y a aussi euh, des, des femmes et d'autres minorités, mais ils sont justement euh, en minorité. Et c'est ce même groupe dominant qui représente d'ailleurs aussi le plus grand groupe d'actionnaires. Euh, voilà la, la brève mise en relation entre euh, inégalité économique et l'âge de la finance euh, de ma part mais ça m'intéresse euh, également de, de savoir euh, comment, comment ces discussions euh, se sont faites entre vous et, et aussi comment la priorisation de, de cette question a été discutée lors de l'élaboration du livre et je veux rajouter une dernière question si, si le temps me le... <laughs> On a un peu court malheureusement <laughs> si on veut garder de la, du temps pour les questions pour la salle, c'est peut mieux de... donc, Désolé. Merci beaucoup. Bon, alors je, je, je réagis rapidement. Euh, sur les quelles couches euh, profite au, au capitalisme financier euh, une manière euh, et c'est comme ça que les acteurs l'ont partiellement vécu euh, une, une manière de lire les choses, c'est de se dire, ben, puisque euh, en gros le passage à l'âge de la finance c'est notamment une capacité et enfin, notamment marqué par la capacité qu'ont eu les actionnaires de reprendre le, le, une partie du pouvoir euh, qui leur avait plus ou moins échappé euh, pendant quelques décennies euh, du coup euh, les perdants ce sont les managers je, je pense que c'est évidemment totalement faux c'est à dire que là pour le coup ce qu'on voit de manière mais massive, euh, alors à des degrés divers. C'est-à-dire que là encore, je veux dire, les rémunérations euh, états-uniennes ne sont pas les rémunérations européennes. Ce n'est euh, pas, pas la même chose. Mais il y a malgré tout une explosion de la rémunération des managers également. Donc dans le partage de la valeur, il est évident qu'il y a une sorte de deal euh, qui s'est fait, euh, qui est un deal à mon avis assez conscient, hein, euh, qui n'est pas quelque chose, c'est pas non plus un complot, mais c'est quelque chose qui est déconcentré. Mais où il y a toute une série de mécanismes qui font qu'on bah, paye très très bien les managers, comme ça les managers obéissent. Voilà. Et, et comme par ailleurs il y a une captation de profit qui est considérable, bah, on peut leur donner beaucoup d'argent. C'est possible. Donc euh, très clairement, il y, y a une partie de la population qui, euh, enfin, dominante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à l'intérieur de la classe dominante des gens qui perdent et des gens qui gagnent. Tout le monde gagne, plus ou moins. Euh, et c'est peut-être le partage de la richesse. Euh, le partage relatif, en gros, de la richesse qui, euh, qui qui change, mais tout le monde gagne, il gagne beaucoup beaucoup plus. Si je devais résumer vraiment très très rapidement, quels sont les segments économiques qui, qui profitent le plus dans l'entrée de l'âge de, de la finance euh, J'aurais une réponse qui est un peu de même type. C'est-à-dire, je pense que tout le monde en profite, quoi, quand même. Il faut pas. Enfin, euh, à la fin des années 90, il y avait des gens qui écrivaient sérieusement, qui pensaient que les banques allaient disparaître et qui écrivaient ça sérieusement. Euh, et euh, parce qu'il disait, ben, en gros, euh, les banques elles rendaient un service qui était de conserver l'épargne et puis euh, de proposer des produits financiers relativement simples. Et maintenant, on a des fonds, euh, on a des fonds d'investissement qui font ça de manière beaucoup, beaucoup plus efficace. Donc euh, en gros, on, les, les banques, le métier traditionnel des banques va disparaître. C'est faux. Les banques se sont transformées en fonds d'investissement. Euh, alors après ça, effectivement, il y a la question de la, il y a la question de la rentabilité différentielle. c'est clair que euh, les, les activités Soit particulièrement euh, agressives et risquées, comme le private equity, ou, euh, ou des activités hyper hyper agressives type hedge funds, euh, sont des activités qui sont très très rentables. Après ça, ce sont aussi des activités qui sont très fortement exposées au risque. Donc un financier pur sucre vous dirait bah mais c'est normal que ça soit plus, ça soit plus, plus rentable puisque le, le couple plus risque rendement, euh, bah, il est lui lui il est, il est, il est, il est égalisé. c'est dans le détail c'est faux. Moi ce qui m'intéresse c'est plutôt de constater que dans cette configuration, où effectivement, comme vous l'avez dit, le monde de la finance, il est hétérogène, et que les acteurs qui peuplent ce monde sont engagés dans des conflits qui sont souvent des conflits extrêmement violents euh, entre eux. Ils se détestent, ils se méprisent, euh, ils sont en concurrence les uns contre les autres, etc., etc. Enfin, il n'y a pas du tout de, de, de collusion euh, générale. La finance, ça n'existe pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que à cet âge-là, tout, tout le monde gagne. Et que ils gagnent plus ou moins. Il y a des nouveaux acteurs qui apparaissent, mais concrètement, il y a personne qui a disparu. Ou alors, les gens qui ont disparu ont en fait été reconfigurés. Donc, il y a eu effectivement les agents de change version traditionnelle, version Louis Philippe qui ont disparu en, enfin, pas Louis Philippe, mais enfin bon, euh, à peu près, qui ont disparu en France. Mais quand même, concrètement, on en a fait des sociétés de bourse et c'est devenu des acteurs financiers extrêmement puissants qui ont été adossés à des banques, etc., etc. Même chose. Les assureurs qui aiment bien se présenter comme des gens très très vieillots, euh, comme ça, super ringards, euh, euh, à moitié dépressifs, euh, bah, en fait, euh, ça, va, ça va assez bien pour eux. Quoi, en fait. Ils ont gagné énormément d'argent avec cet âge-là. Donc, il n'y a pas tellement de difficultés, me semble-t-il. Ensuite, euh, sur la reproduction, moi, je. je, je alors. Il y a des gens qui défendent l'idée, hein, il y a une littérature notamment états-unienne hein, qui défend l'idée que, euh, qui est une littérature que je trouve d'ailleurs assez ambiguë sur, le, sur son, son, son espèce d'horizon idéologique en quelque sorte. Euh, l'idée que, en gros, les financiers, ce seraient les nouveaux philistins, quoi. ce seraient euh, des gens qui, euh, qui seraient venus pour mettre à bas les vieilles familles patriciennes qui, bien sûr, étaient les super dominants. Mais qui quand même euh, savait vivre, quoi, et était un petit peu modéré. C'est un peu comme ça qu'on pourrait lire de manière un peu malveillante le, le livre de Marc Mizrouki, hein, euh, qui, qui est un petit peu là-dessus quand même. Euh, un livre dans lequel il dit bah, :« Avant, on avait des familles qui étaient surtout des familles de juristes. Ces gens-là euh, fréquentaient, ils habitaient dans les mêmes villes, ils fréquentaient les mêmes écoles, etc. C'était fondamentalement des gens bien élevés. Euh, et puis euh, ils avaient certitude d'avoir, euh, qui étaient enracinés dans une certitude d'avoir toujours eu, qui faisait qu'ils n'étaient pas trop trop aprogsins. Et puis on a vu arriver des gens qui étaient juste en maths, très vulgaires et nouveaux riches, et qui se sont mis à gagner beaucoup beaucoup de sous et qui, eux, n'étaient plus du tout modérés dans leur comportement. Bon, ici, d'ailleurs, on en avait discuté avec Mizruki et je lui avais dit, mais c'est un peu, je sais pas, c'est bizarre comme positionnement, quoi. Il n'était pas super à l'aise, on avait discuté de ça au petit déjeuner, avec cette objection-là. Mais moi, je ne crois pas trop à ça, en fait. En tout cas, pour ce, que je, pour ce que je vois, moi, du capitalisme financier européen, c'est quand même un capitalisme qui est toujours porté par. Euh par, par, les, par, par des familles et qui est reproduit via des institutions scolaires euh, qui sont quand même trustées par la classe dominante traditionnelle. Euh, et euh, donc, moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'effectivement, il n'y a pas une, une dynamique de recomposition très forte de la classe dominante par, par cet intermédiaire-là, alors que certains, certains défendent cette idée-là, effectivement. Peut-être juste très vite fait là-dessus. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué cette question de la reproduction et de l'ouverture ou pas de, du groupe dominant des capitalistes à des profils différents et qu'on aurait pu, puisqu'on traite plutôt les relations dominant-dominées au plan des groupes, mais sans regarder ces dynamiques-là. Et peut-être ce, ce sur quoi on aurait pu plus insister, on l'évoque dans le cas des entreprises familiales en fait. C'est qu'au début de chaque âge, il y a l'idée qu'il y a donc une nouvelle manière de bien gérer les entreprises et que ça va ramener des hommes nouveaux fondamentalement donc il y a l'invention du manager avec la grande entreprise en l'âge de l'usine et puis il y aurait l'invention je sais pas du, du trader génial ou autre aujourd'hui ou d'ailleurs du, du fondateur de start-up. Et comme quoi, plus ou moins implicitement, mais c'est vendu souvent comme apportant des formes de, de renouvellement social, ce qu'on montre à propos des entreprises familiales, c'est combien les familles propriétaires d'entreprises ont su s'adapter à ça globalement. C'est-à-dire envoyer leurs enfants faire les bonnes études, etc., pour qu'ils deviennent euh, ces hommes nouveaux et assez rarement ces femmes nouvelles. Et donc la, la thèse très implicite qu'on retrouve explicitée juste sur les entreprises familiales, je pense, mais qui, qui pourrait mériter d'être explicitée c'est avec ces inventions de nouveaux rôles sociaux de nouveaux métiers, de nouvelles formations euh, malgré tout grosso modo statistiquement comme vous le disiez très bien enfin, non seulement c'est plutôt les mêmes familles qui restent et puis quand c'est pas les mêmes familles c'est plutôt les mêmes profils euh, d'hommes blancs héritiers et ainsi de suite et euh, bon, peut-être on n'en a pas parlé parce que c'est tellement classique en, en sociologie en histoire mais dans un manuel ça aurait eu euh, vraiment sa place et notamment de regarder dans ces moments de rupture comment euh, en fait on arrive à s'adapter euh, très très vite et sur l'intro, c'était un peu un dispositif rhétorique pour parler de Piketty, parce qu'on pensait que tout le monde... Euh, penserait logique de commencer sur Piketty. Mais c'est euh, une réalité, c'est je pense que la question qu'on avait en commun avec Piketty, c'est est-ce qu'on est en train de vivre un retour au 19e siècle Et en fait, je pense, quand on a commencé à penser au cours, moi j'étais quand même sur plutôt oui, en fait. Je pense que Pierre était plus agnostique. Et, euh, et ce que montre Piketty, c'est que l'ampleur des inégalités, notamment de patrimoine, est redevenue la même. Et finalement, ce qu'on montre, c'est que ce n'est pas du tout pour les mêmes raisons, En gros, pour le dire rapidement. Donc, comme nous, on a gagné quelque chose en faisant ce travail, c'est-à-dire qu'il y a certes certains points communs entre âge de la finance et âge du commerce, mais qu'on n'est pas du tout sur un retour à quelque chose de similaire. Quoi. Merci beaucoup. Je donne la parole pour le dernier commentaire à Antoine Muller. Bon, on m'entend Oui. Merci beaucoup, merci à, à l'Institut de, de, de son invitation. Euh, c'est toujours compliqué quand on passe le dernier, donc euh, voilà, je vais le prendre positivement en me disant que c'est parce que vous croyez en ma capacité de conserver encore la salle à un moment, donc je vais faire au mieux, et puis euh, je vais faire au mieux pour être le plus euh, rapide possible. Euh, sur euh, la question du, du, du livre en général. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans le, dans, dans le livre, c'est finalement cette ambition d'histoire longue et euh, d'analyse sur, sur le long terme. C'est vrai qu'on est dans une, une époque où on est euh, constamment euh, soumis à des flux d'informations divers et variés. Et euh, d'avoir euh, des, euh, des auteurs qui prennent la peine justement de, 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 de s'arrêter un instant et d'essayer de, de remettre les choses euh, en contexte. Euh, je trouve que ça c'est un, un, un exercice qui est très intéressant parce que ça, ça nous permet de, 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 de nous arrêter un peu puis de donner une, une grille de lecture qui est une grille de lecture parmi d'autres, mais qui a, qui a, qui a le, le mérite de donner un, un, un point de vue intéressant. Et puis euh, je, ce que j'ai ai bien aimé aussi, petit détail de, de manière générale dans, dans le livre, c'est les focus, c'est-à-dire, je trouve qu'on apprend beaucoup de choses, que ce soit dans les encadrés gris, mais aussi dans le corps du texte, où finalement il y a des, il y a des exemples assez variés sur des, des pays, des situations et des époques assez variées, et qui, en termes de, de culture générale, sont assez intéressants. Euh, J'en viens maintenant à la mission qu'on m'a qu confiée euh, aujourd'hui, c'est-à-dire de, de, de mettre le focus sur la Suisse en, en rapport avec euh, euh, mon expérience et puis et puis euh, ce que j'ai ce que j'ai pu avoir comme euh, parcours euh, professionnel forcément moi je me suis euh, concentré sur euh, un chapitre ou en tout cas je suis parti d'un chapitre pour la, la réflexion dont, dont je voulais vous parler sans surprise c'est le, le chapitre 8 qui traite de euh, de l'état et, et, et du capitalisme donc il traite de, de, de différents éléments mais mais un élément qui qui m'a particulièrement intéressé c'est celui qui a trait à, à la production des lois ou voilà coproduction des lois, l'écriture des lois euh, qui est évoquée dans, dans ce chapitre. Et puis, j'ai trouvé que c'était un questionnement intéressant parce que c'est un questionnement euh, forcément qu'on a euh, toujours ici. Euh dans le cadre de l'institut, alors c'est sûr qu'on a la version suisse de ce questionnement, avec les différentes phases euh, parlementaires, la phase préparlementaire, la phase parlementaire, etc. Enfin toutes ces choses que euh, que vous connaissez. Et puis euh, ben, une spécificité suisse sur laquelle euh, dans laquelle j'ai été actif, c'est la, la phase liée à la démocratie directe, la phase euh, référendaire et, et dont je voulais vous parler en en, en quelques mots aujourd'hui. Et puis avec un deuxième point, puis c'est les, les deux axes que je vais évoquer rapidement euh, aujourd'hui, c'est aussi un élément qui est soulevé dans livre, c'est la question de la, euh, de la consultation, de la consultation des acteurs et des, et des entités. Et puis là, je trouvais que le, le, la situation suisse avait quelques éléments intéressants à relever. Euh, c'est d'autant plus que maintenant, j'ai la chance d'avoir expérimenté les deux côtés, c'est-à-dire des, des entités qui répondent aux consultations et de celles qui les reçoivent. Donc, je, je voulais vous, vous dire quelques éléments là-dessus. Sur euh, l'arène euh, référendum ou l'arène la reine de, de démocratie directe, donc cette phase-là, cette dernière phase finalement du processus euh, législatif euh, lorsqu'il s'agit d'un référendum ou les débats autour des modifications constitutionnelles lorsqu'il s'agit des, des initiatives, je trouvais intéressant parce que c'est une manière que les milieux économiques ont, comme euh, finalement tous les acteurs politiques de ce pays, euh, d'influer sur, euh, euh, sur la production de la loi. Euh, d'influer de manière euh, très claire et directe en s'engageant euh, dans le jeu euh, démocratique, en menant des, des campagnes. Euh euh, de, public euh, et ça je trouve c'est assez intéressant assez spécifique à la Suisse parce que on n'est pas dans des situations de euh, entre guillemets de, alors elles existent aussi bien entendu hein, mais 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 de euh, disons de travail dans le cadre euh, parlementaire ou avant euh, la phase parlementaire mais on est vraiment dans le cadre du débat public avec euh, beaucoup d'engagement de, euh, et puis euh, de, de, de l'engagement dans, 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 dans ces campagnes de votation qui vise à faire euh, connaître euh, la position et la voix des, des, des milieux de, de l'économie. Et puis ça, c'est une spécificité euh, forte en Suisse. C'est quelque chose sur laquelle j'ai beaucoup travaillé parce que... C'était une des missions dans les, euh, dans les fonctions que j'occupais au sein des milieux économiques, c'est-à-dire c'était de, de mener ces campagnes. Et un des éléments intéressants sur lesquels on travaillait beaucoup, c'était de faire en sorte que euh, les chefs d'entreprise s'expriment, c'est-à-dire euh, prennent part au débat public. Parce que euh, les chefs d'entreprise, euh, bah forcément, ils ont beaucoup de... de ben, beaucoup de travail, beaucoup de, ils sont concentrés sur sur leur entreprise et puis sur leur activité et des fois ils ont, ils, ils prennent pas forcément toujours le, le temps euh, de, de venir s'engager dans, dans dans l'arène publique et on a toujours considéré au sein des milieux économiques que les meilleurs représentants finalement euh, des intérêts de l'économie c'était les, les chefs d'entreprise eux-mêmes ceux, euh, celles et ceux qui étaient en capacité finalement de, de relayer euh, la voie de l'économie et puis les besoins et les attentes des économies dans le cadre des campagnes de euh, votation et surtout que c'était euh, les acteurs les plus crédibles pour faire euh, passer les messages. Et puis euh, là-dessus, ce que j'aimerais souligner, parce que euh, un, ça me permet d'amener un élément un peu plus subtil, euh, Bien sûr qu'il y a un certain nombre de votations qui opposent la gauche, les syndicats et les partis de gauche face au milieu économique et au milieu de droite. Ça existe tout à fait. Mais moi, ce qui m'a frappé dans le cadre de mes activités professionnelles, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de votations qui finalement ne répondaient pas. À ce clivage-là et répondait pas au clivage euh, du livre, mais qui avait beaucoup euh, trait finalement euh, au maintien de la connexion de la Suisse et de l'économie suisse euh, à, euh, au marché extérieur, que ce soit. Euh, euh, au marché européen ou au marché mondial finalement ou à, à la position de la Suisse euh, à l'international et ça euh, c'était quand même un élément intéressant parce que ça ça signifiait et je, et je le dis parce que ça m'a beaucoup marqué euh, finalement moi quand je travaillais dans les milieux économiques c'est vrai que je m'attendais peut-être effectivement des fois à être en opposition euh, en tout cas plus régulièrement que ce que j'ai été en opposition euh, face aux au syndicats et euh, et, euh, et à la gauche et il y a beaucoup de, de campagnes que, que j'ai menées qui n'étaient pas dans cette configuration là où finalement euh, les milieux syndicaux et la gauche en général appelaient euh, exactement à la même recommandation de vote. Ça ne veut pas dire forcément que les campagnes étaient communes, mais ça veut dire que le, le, les arguments n'étaient peut-être pas les mêmes, bien entendu, mais l'objectif euh, pouvait être commun. Et donc ça, ça nuance euh, un peu euh, euh, est ce, ce clivage euh, euh, qui, qui est, qui est, bah, qui est un, un fil conducteur du livre et puis euh, un fil... Euh, euh, conducteur parfois de, de ce qui est évoqué par, euh, par certains euh, analystes. Euh, et puis voilà, j'ai quelques exemples, on pourra y revenir si, on, si, on, si vous le souhaitez. Et puis bien sûr, c'est lié à la spécificité de, de, de notre pays, donc un petit pays qui dépend énormément de, de l'exportation, puis qui a besoin, tant pour les entreprises, mais finalement pour le maintien des, des places de travail, euh, de l'accès au marché et d'avoir un, un pays qui reste euh, connecté. À l'Europe à d'une part, mais au monde euh, en général. Euh, donc voilà ce premier axe que je voulais euh, développer. La deuxième chose que je voulais dire, c'est sur les, les mécanismes de consultation. Euh, le livre l'évoque euh, 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 de manière assez nuancée, j'ai trouvé dans le cadre du, du chapitre, et je n'ai pas réussi à déterminer, mais ça on pourra peut-être en discuter. Euh, de ce que j'ai compris, il y avait l'idée au sein de, 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 de l'ouvrage que. Euh, finalement, il y a une difficulté pour euh, le pouvoir ou l'État euh, de euh, consulter euh, ou d'entendre les entités de manière euh, égalitaire, c'est-à-dire de, 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 de les considérer de la même manière et de considérer leur avis de la même manière. Et puis ça, c'est un élément euh, que, que j'ai trouvé assez euh, intéressant. Euh, à, à, à développer finalement parce que sur la, les, les, les consultations, finalement, bon, vous savez qu'on est dans un pays qui consulte énormément euh, à tous les échelons, au niveau fédéral, au niveau cantonal. Vous savez aussi que c'est un travail très exigeant parce que de deux choses l'une, enfin, en général, l'accès aux, 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 aux objets ou aux, aux textes qui sont mis en consultation nécessite quand même une maîtrise technique assez approfondie, euh, c'est-à-dire qu'avant de débuter les, la, la discussion autour des options politiques, vous, vous avez quand même une nécessité de, de maîtrise technique des sujets et des enjeux. Et puis là, de deux choses, une, vous avez deux options. Euh, soit vous êtes une structure suffisamment grande euh, pour avoir du personnel qualifié et qui est en capacité euh, de, de gérer euh, et de répondre qui est spécialiste finalement du domaine. Et puis ça, euh, c'est le cas tant pour des milieux économiques que pour des milieux syndicaux. Euh, bah le, le syndicat représenté aujourd'hui est un syndicat qui est extrêmement euh, puissant à cet égard, qui a beaucoup de ressources et puis qui a la capacité euh, justement à répondre de manière assez euh, détaillée euh, aux consultations. Et puis la deuxième option, c'est que si vous êtes une, petite, une plus petite structure, ben vous devez avoir des gens qui ont le temps euh, de, de se consacrer à ça, ce qui est quelque chose d'assez euh, exigeant. Euh, en termes de, de temps que, 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 ça, que ça implique. Et puis ce que je voulais dire par rapport à ça, euh, moi je trouve qu'en Suisse, et c'est peut-être un point de nuance avec ce qui a été dit, euh, les, les entités consultées... Euh, sont quand même entendues de manière euh, assez euh, forte, quel que soit le milieu qu'elles représentent. Et pour le dire clairement, que ce soit les milieux économiques ou euh, les milieux euh, syndicaux, moi je suis euh, toujours euh, frappé par, par le fait que c'est aussi des milieux qui sont très euh, audibles dans le cadre euh, du débat public et dans le cadre des prises de position euh, qu'ils ont. C'est lié, euh, ça a été dit, à la capacité référendaire, euh, c'est-à-dire, euh, vous ne le dites pas comme ça dans le livre, mais en, en Suisse on, 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 on le forme comme ça, c'est-à-dire la capacité à gagner des référendums en opposition, et ça, ça a été dit. Ben c'est les cas d'opposition entre, entre parfois la, la, la droite et la gauche sur les questions euh, économiques au sens euh, large. Mais je pense que ce qui est aussi important de, de relever, et puis ça, je le vois euh, aussi dans, dans la fonction que, que j'occupe actuellement, c'est qu'on est quand même dans un pays où il y a quand même toujours ce souci, euh, puisque contrairement à ce qui était dit on gouverne rarement seul euh, et puis on n'est pas dans un mécanisme où il y aurait un bloc qui imposerait uniquement ses vues euh, à l'autre et donc on est quand même toujours à la recherche euh, d'un dénominateur commun d'une forme de compromis alors bien sûr ce n'est pas tous les jours c'est pas toujours possible. Euh, il y a des situations où il y a un arbitrage politique ferme et dur à prendre, mais il y a aussi un certain nombre de, de, de situations où les positions euh, minoritaires ou de représentants du secteur salarié, par exemple, sont euh, tout à fait euh, entendues et euh, intégrées dans, 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 dans les raisonnements. Pour vous donner un exemple, moi je suis toujours frappé sur les, les, les retours de, de, de consultation. Vous avez toujours des, des tableaux monumentaux, vous avez toutes les entités. Euh, qui ont répondu à la consultation et puis tous les éléments qui ont été intégrés ou pas pourquoi etc quoi donc ça c'est pour donner simplement l'exemple le, euh, là-dessus et puis comme ça a été dit si les acteurs estiment qu'ils sont pas écoutés euh, eh bien ils ont toujours la capacité d'utiliser de, de, de ces mécanismes de, de, de démocratie directe donc voilà les deux éléments que je voulais euh, principaux que, que, que je voulais évoquer c'est-à-dire euh, l'arène de la démocratie directe qui relativise un peu le, le clivage parce que pour dire qu'il est, il est il est des fois plus complexe, il n'est pas toujours euh, dans celui qui est évoqué par le livre, mais il peut aussi être euh, distinct. Et puis, euh, sur la question de, des, des consultations, euh, là, effectivement, c'est vrai que c'est des fois on entend euh, euh, l'enjeu le, le, finalement d'avoir des, des entités qui sont plus ou moins écoutées en fonction de la, de la force qu'ils ont. Et, et je trouve que. En tout cas, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a des, beaucoup d'entités ici sont entendues parce qu'on sait toujours l'importance de ne pas avoir des coalitions, euh, y compris hétéroclites, qui s'allient pour faire tomber des projets euh, dans, dans, euh, dans l'arène euh, référendaire. Euh, voilà, euh, je, si, je peux ouvrir sur quelques questions, mais je, je peux aussi m'arrêter là. Euh, donc, euh, voilà. Bah, bah, Peut-être j'en ouvre une que je trouverais intéressante. Ce n'est pas tellement une, une, une critique, c'est plus un, une piste de, de, de réflexion. Euh, dans, ce, dans ce chapitre, bah, c'est vrai qu'on traite l'État de manière... De manière euh, on fait référence à l'État comme si c'était une entité unique. Quoi, hein, et puis ça, vous l'évoquez le, vous le, vous aussi euh, en évoquant les, les conflits potentiels entre un ministère de l'Agriculture un ministère Ministère de la Santé, et ça, je trouve que ce serait des, des perspectives de, de, de recherche ou de réflexion assez intéressantes, puisque on voit que les choses changent énormément en fonction euh, euh, du département ou du ministère euh, concerné. Euh, et ça, ça, je pense que c'est des pistes de recherche ultérieures assez intéressantes. Voilà les éléments que je voulais vous dire. Je ne vais pas faire plus long. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on imagine que ce n'est pas forcément simple pour les étudiants et étudiantes, parce que nous, on est tellement contents aussi de, de recevoir ces lectures de notre livre et puis les témoignages d'acteurs sur comment ça résonne avec les expériences en Suisse. Et puis vous, vous cherchez ce qui est il pour l'examen, pour les étudiants et étudiantes. Bon. Oui, on, on va encore vous embêter un tout petit peu, mais merci beaucoup, parce qu'en plus, en France, on a eu beaucoup de mal à à obtenir des retours du, du côté des milieux économiques ou patronaux, je ne pense pas tant par euh, hostilité ou désintérêt pour le livre que manque de temps ou manque de relations de notre côté. Donc, on est vraiment très content et contente d'avoir cette lecture euh, qui nous parle beaucoup. Enfin, notamment moi, euh, ayant travaillé sur les chambres de commerce en France, ce que vous dites sur la la difficulté parfois à faire parler les chefs d'entreprise ou à obtenir qu'ils parlent publiquement parce qu'ils ont de meilleures choses à faire ou qu'ils pensent avoir plus important à faire, c'est très très important. Et on a là aussi essayé d'être simplificateur, peut-être pour un, pour un manuel dans le chapitre 8, mais vraiment dire il n'y a pas naturellement de parole unifiée des chefs d'entreprise ou des capitalistes. Euh, et euh, ils n'ont pas forcément une conscience forte de leur intérêt qui les pousserait par exemple à s'opposer toujours aux syndicats ou à être toujours de droite. En gros, on essaie de dire que c'est un peu plus compliqué que ça. Et du coup, ce que vous évoquez, c'est sans doute plus aigu, en effet, sur la Suisse, la question de la connexion au marché extérieur. Mais je pense que ça rentre assez en résonance avec ce qu'on évoque pour le cas de la France ou de l'Angleterre au XIXe siècle, où finalement, les, les intérêts syndicaux étaient très, très peu consultés officiellement. Et en revanche, les intérêts patronaux étaient consultés officiellement, mais pas du tout d'accord entre eux sur les questions de protectionnisme et de libre-échange, selon les secteurs, selon la position dans le secteur, selon les tailles d'entreprise. Et donc, c'est vrai que le chapitre adopte souvent le vocabulaire dominant-dominé pour discuter comment des gens qui sont dominés socialement de différentes manières peuvent parfois se faire entendre quand même par les États et pourquoi c'est difficile. Mais on ne fait pas d'équivalence absolue entre les dominants, c'est l'ensemble de tous les chefs d'entreprise, et puis les dominés, c'est tous les salariés ou les syndicats. Et notamment, ces dominants, dominées, elles peuvent être entre des secteurs d'entreprise plus ou moins favorisés par la situation générale, entre des tailles d'entreprise, et puis entre des syndicats plus ou moins installés, des syndicats qui viennent contester leur monopole d'expertise, par exemple. Donc, euh, euh, enfin, tout à fait d'accord, en fait, sur... Euh, sur ce côté multidimensionnaire de ces luttes. Mais ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est qu'à chaque fois, fois l'importance de ces deux points que vous avez retracés à partir de votre expérience, je crois, c'est d'en fait euh, trouver des personnes concernées qui veuillent bien s'exprimer publiquement. Euh, parce que ça n'est pas la même chose quand c'est seulement des gens comme vous qui portent la parole des chefs d'entreprise, en effet, que de les faire parler euh, directement. Mais de même que ce n'est pas la même chose quand c'est seulement des avocats qui portent la parole des, des Africains-Américains discriminés dans le, dans le travail. Versus trouver une personne qui se plaint elle-même. Donc, ça, c'est un enjeu d'incarnation qui est toujours compliqué pour tous les mouvements sociaux, y compris les mouvements sociaux de chefs d'entreprise. Et puis, cet enjeu de se faire entendre. Et donc, on dit, ne on dit pas du tout hein, que l'accès serait toujours plus facile pour les entreprises dans leur ensemble que pour les salariés dans leur ensemble. En effet, à des degrés divers suivant les pays, plus en Europe qu'aux États-Unis, sans doute plus en Suisse qu'en France. Le, le travail organisé, il a les moyens d'expertise, les moyens de lire ses dossiers, de se faire entendre, etc. Mais il y a toujours des parties parmi les travailleurs et aussi des, des parties parmi les entreprises qui ont moins cet accès-là. Dans, dans les travaux de Pierre sur l'assurance, on voit bien par exemple comment dans ce secteur qui est très très divers où au départ il y a des entreprises qui relèvent de l'économie sociale, euh, dans des discussions en effet extrêmement techniques qui se situent à l'échelon européen aujourd'hui, euh, ces, ces entreprises pèsent très peu. Euh, par rapport à, à des multinationales qui, d'ailleurs, je crois, dans ce cas-là, mais tu pourras compléter, euh, parlent directement en tant qu'entreprise sans même passer par des organisations euh, collectives du secteur. Quoi. Et donc, cette capacité, en effet, à, à comprendre les documents et à porter une parole, on ne dit pas qu'elle est toute éternité réservée aux patrons, mais on souligne que, aussi bien pour les patrons que pour les salariés, elle est toujours à, à conquérir, en fait.